On est dans le Chod Rosh Hashanah. Écoutez, il Chod Rosh Hashanah, Alakha Bet, passage Gimel, c'est la page 404 pour ceux qui ont écouté Alakha, page 404, dans le Chelek Gimel, le troisième volume du Likutei Alakha. Zeprinat, Kol Shofar, Rosh Hashanah. Ça, c'est le lien du son du Shofar à Rosh Hashanah. Vikol Denafik, Mishofar, Zeprinat, Emet, Sheit Galé. Parce que le son qui sort du chauffard, c'est le Emet qui va se révéler. C'est le principe du Olam Haba, du monde futur. Jikara Emet Leatid. Parce que la vérité, elle va principalement se révéler dans le futur. Comme c'est écrit là-bas, c'est-à-dire dans dans cette Torah-là que Rabbeinu il parle ici, que dans la Torah 66, qui accorde le prinat emet, parce que la voix, c'est le principe du emet. Prinat Yaakov, c'est le principe de Yaakov. Comme Shkatou Hakol, Kol Yaakov. Prinat Yemetiten Emet et Yaakov. Écrit Kol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Et il y a écrit aussi que Titen Emet le Yaakov. C'est-à-dire, d'un côté, la voix, c'est la voix de Yaakov. Et d'un autre côté, c'est écrit Titen Emet le Yaakov. Tu vas donner la vérité à Yaakov. Donc on voit que la voix, c'est un rapport avec le Emet. Et aussi, on voit que la voix, pour l'instant, elle est pas complète. C'est-à-dire, le Emet, il n'est pas complet. Donc, c'est la voix aussi, elle n'est pas complète. Puisqu'il y a écrit Titen Emet le Yaakov. Tu vas donner le Emet à Yaakov. Et ce son-là, il sort du chauffard. Et le son du chauffard, c'est Alma Deate. C'est Olam Haba. Kamova, comme c'est écrit dans les Sfarim, comme je trouve, Vaya Bayomahu, Itaka Beshofar Gadol. C'est écrit ce jour-là. Alors on va sonner avec un chauffeur Gadol. On va dire que ce jour-là, on va sonner avec un grand chauffeur. Il va y avoir un son de chauffeur. Qui est très fort, et ce son de chauffard qui va être très fort, c'est ça le Emet. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem il va faire? C'est qu'est-ce que ça va être le Mashiach, la Geoula? Ça veut dire Itaka Beshofar Gadol. C'est-à-dire, il va y avoir un son de chauffard qui va être un son qui est très fort. C'est-à-dire, c'est ce son-là que personne n'a jamais entendu, et ce son-là, il va donner une prise de conscience d'Hachem. Qui va faire que le monde entier il va prendre conscience de l'existence d'Hachem par le son qui va sortir du chauffard, parce que ce son-là, c'est pas un son de ce monde, c'est un son du monde futur. Alors quand on va entendre ce son-là, on va savoir que il y a le monde futur, on va savoir que Hachem est là, que c'est lui qui dirige le monde. On va connaître Hachem grâce à ce son-là. Donc on voit Rabbeinu, il dit Kol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov. D'un autre côté, Titen Emet li Yaakov, tu donnes la vérité à Yaakov. Et d'un autre côté, Bayom Ahu Itaka Beshofar Gadol. Ce jour-là, on va sonner avec un grand chauffard. C'est-à-dire, on voit que toute la vérité, d'abord la vérité, c'est la vérité de l'autre monde, parce que ce monde-là, comme Rabbeinu dit que ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Et que la vérité qu'il y a dans ce monde, les masses, elle ne vient pas de ce monde, elle vient de l'autre monde. Donc, et l'autre monde, il se manifeste dans ce monde par une voie. C'est-à-dire, c'est la voie dans laquelle il y a le Olam Haba. Si on veut voir comment le Olam il se révèle, alors c'est par le son, c'est le principe de la voie. Dans la voie, il va y avoir le son du monde futur. Donc, les masses, c'est une question de son. C'est-à-dire que Hachem, il va juste augmenter le son. Itaka Beshofar Gadol. Il va y avoir un grand son de chauffard
qui va être un petit peu plus fort que d'habitude. Et ça, ça va être la prise de conscience de Olam Haba. Valide prinata emet shenit gala aliede prinata alma deate. Maintenant, grâce à la vérité qui se révèle par le bon futur, chez Zeprinat Kol HaShofar, que ça c'est le principe du son du shofar, Aedese Nase Yomadin. Ça, ça fait le Yomadin. C'est ça qui fait le jour du jugement de Rosh Hashanah. Zeprinat Ube Shofar Gadol Yitaka. Comme c'est écrit, et avec un grand shofar, il va sonner. Bayomru Hineze Yomadin. Ils vont dire, voilà, c'est le jour du jugement. Qui a dit Nidgale Aliede Kola Shofar. Parce que le jugement, il va se révéler grâce au son du shofar. Le son du shofar, il va révéler qu'il y a un din. C'est-à-dire qu'il y a un jugement dans ce monde. Veuprinat Emet Shenidgale Balma Deate Shaliadon Aserdin. Et ça, c'est la vérité du monde futur. Que c'est ça qui va faire le jugement. Parce que la vérité, elle ne peut pas supporter les mécréants, les gens qui sont des Rechaïm, la vérité, elle ne peut pas les supporter. Maintenant, quand le din il se révèle, alors il y a un langage clair, un langage unanime qui va arriver dans le monde. Parce que les gens, ils vont faire tshuva vers Hachem, et mais Emma Tadin, par la Emma du Din, par la crainte du jugement. Qui az mevinim haefresh ben sadik le racha. À ce moment-là, on comprend la différence qu'il y a entre un sadik et un racha. Vezeprinat itoreruta tshuva shenasa liede kol haShofar. Et ça, c'est le principe de l'éveil de la tshuva qu'on ressent avec le son du shofar. C'est écrit, est-ce que on va entendre le son du shofar dans la ville et le peuple ne va pas avoir peur? Par le son du shofar qui est la vérité, prinat alma deate, qui est le monde futur, ça va donner une safa brura, à dire un langage clair. Et ça va faire sortir du koach el apoal, c'est-à-dire que les choses, elles vont sortir du potentiel dans la réalité. Donc on voit ce que Rabbi Nathan dit ici, que maintenant motzi koach el apoal, c'est-à-dire que comme on a vu dans le début de la halakha la semaine dernière, que tant que quelqu'un il a pas trouvé Hachem, tant que quelqu'un n'a pas trouvé le tzaddik, alors il s'appelle qu'il vit, il vit en potentiel. C'est-à-dire c'est un potentiel de vie qu'il a. Mais ce n'est pas une vie réelle. Parce que la vie réelle, elle vient que quand la personne elle a trouvé Hachem, que la personne elle a trouvé le tzaddik de la génération, à ce moment-là il s'appelle Chai, Behemet. Parce que tant que quelqu'un n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé Hachem, il n'a pas trouvé le tzaddik, il ne peut pas comprendre qu'il existe une vérité. Parce que cette vérité-là, elle ne vient pas de ce monde. Donc ce n'est pas la peine de chercher à tourner en rond ici, parce qu'il n'y a rien. Dans ce monde-là, il n'y a rien du tout. Dans ce monde, si on veut trouver quelque chose, il faut sortir le nez de l'eau. Parce que si on ne sort pas le nez de l'eau, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout ici. Dans ce monde-là, la vérité qu'il y a, elle ne vient pas d'ici. Elle vient d'un autre monde. Ce monde, c'est de la matière. Et ce monde, c'est des plaisirs. Et ce monde, c'est des guerres et des envies. Et chacun, il a envie de la richesse, des honneurs, de la réussite, de la force, de la connaissance, de tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des choses de ce monde. Dans l'Olam Haba, dans le monde futur, toutes ces choses-là n'existent pas. Dans l'Olam Haba, il y a une seule chose qui existe, c'est le Emet. Maintenant, ce Emet, comment il se manifeste dans ce monde ? Se manifeste avec une voix, avec un son. Ce son-là, c'est le son du shofar, qui est le son du monde futur. C'est pas un son qui est un son de ce monde. C'est pas une mélodie de ce monde, c'est une mélodie d'un autre monde, de l'autre monde, pas de ce monde. Et quand on va entendre ce son-là, alors on va prendre conscience que Hachem existe.
C'est-à-dire le fait qu'on va entendre cette voix-là, ce son, ça va nous faire prendre conscience qu'il existe, que Hachem existe. Et ça, c'est ça le Yom Hadin. Le principe du Yom Hadin, du jour du jugement de Rosh Hashanah, c'est la prise de conscience du fait qu'il y a Hachem, que la vérité, c'est Hachem. On avance chaque jour, bon, Hachem, vers la prise de conscience de la vérité d'Hachem, qui est véhiculé par le tzaddik, par Rabbeinu, par Rabbi Nachman, qui véhicule chaque jour de plus en plus ce son-là. C'est-à-dire, c'est un son, c'est pas quelque chose, il y a rien à expliquer. Vous avez des gens qui sont en Bretagne, vous avez des gens qui sont au Canada, vous avez des gens qui sont en Afrique, vous avez des gens qui sont en Israël, vous avez des gens qui sont là où ils sont dans le monde, et ces gens-là, ils entendent ce son-là, cette voix. Et ils disent, cette voix-là, c'est une voix que je n'ai jamais entendue. Qu'est-ce que c'est que cette voix-là? C'est une voix d'un autre monde, ce n'est pas de ce monde-là. Parce que la voix de ce monde, c'est des voix uniquement de besoin, des voix de ta'avot, ce n'est pas des voix, les voix de vérité. Comme dans les sept mendiants, le mendiant qui était sourd. Alors il dit, vous croyez que je suis sourd? Je ne suis pas sourd. Je suis sourd parce que je ne veux pas entendre les voix de ce monde avec leurs aboiements, de leur manque. Chacun est en train de crier, il me manque ça, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ci, je n'ai pas assez de l'autre, je n'ai pas assez, il me manque. Alors il dit, moi je ne veux pas entendre ces choses-là, alors c'est pour ça que je suis sourd. Vous croyez que je suis sourd? Je ne suis pas sourd du tout. Je ne suis pas du tout sourd. J'entends très très bien, au contraire, j'entends mais seulement j'entends des voix de l'autre monde, pas de ce monde-là. Alors c'est pareil, il y a des gens, on les a pris pour des sourds dans ce monde, on les a traités de sourds. Depuis qu'ils sont nés, on lui a dit, mais toi tu es sourd, tu es bouché, tu n'entends rien, tu ne veux rien entendre. C'est pas qu'il veut rien entendre, il ne veut pas entendre les bêtises des gens. Alors les gens croient qu'il est sourd, mais il n'est pas sourd. C'est quelqu'un, il veut faire sourd Mira, au contraire, il veut se sauver du mal. Il veut être sourd au mal, il ne veut pas entendre les gens qui appellent au Ta'avot. Les gens, il a dit, chez moi, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. C'est-à-dire, après Rosh Hashanah, j'écoute déjà, je tends l'oreille pour entendre l'appel du Shamash qui va réveiller pour les Slichot, pour l'année prochaine déjà. Dès que Rosh Hashanah passe, voilà ce que j'attends. J'attends déjà quand est-ce que... Parce que il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah? Pourtant, il y a. Entre un Rosh Hashanah et un autre, il se passe beaucoup de choses. Il y a des tonnes de steaks qui se mangent, de frites, des gens qui font de l'argent, des gens qui ont des prix Nobel. Il y a des gens qui reçoivent des choses d'un côté et d'un autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, entre un Rosh Hashanah et un autre. Alors qu'est-ce que veut dire qu'il n'y a rien? Il n'y a rien parce que Béhémet, la seule chose qui est intéressante dans ce monde, c'est d'entendre cette voix-là. C'est tout. Le reste, c'est rien du tout. Parce que le reste, c'est pas de la vérité. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de perdre notre temps avec entendre que les gens ils sont en train de crier parce qu'il leur manque ça, il leur manque ça. Chacun est en train de crier, voilà, il me manque ça, j'ai pas de quoi finir le mois, j'ai pas de payer ça, j'ai pas de quoi payer ça. Mais il y a l'autre monde, tu penses pas à l'autre monde. Tu penses pas qu'il y a un autre monde, c'est que ce monde-là qui t'intéresse. Tu sais pas qu'il y a un autre monde, qu'après ça continue. Là tu es dans une étape seulement de ta vie. Tu es dans l'étape la plus petite, la plus courte, la plus passagère de ta vie. C'est ce monde-là. Toute ta vie, elle est après, c'est pas ici. Ici, c'est juste c'est le hall de la gare, c'est une préparation, c'est une salle d'attente. C'est pas Khachouv ici, c'est pas le car ici, c'est combien tu vas écouter cette voix-là. Parce que cette voix-là, elle va te donner la crainte d'Hachem. Quand tu vas entendre cette voix, tu vas te mettre à trembler du jugement d'Hachem. C'est pas, il faut pas voir ça comme quelque chose où il y a de la méchanceté, des choses comme ça. C'est que c'est une prise de conscience de la vérité. Quand on prend conscience de la vérité, alors ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se rend compte que comment on a vécu sans ça avant.
Et de comment on a vécu notre vie comme des idiots. Ça, c'est terrible. Comment quelqu'un à 16, 17 ans, tout ce qu'il rêve, qu'il va avoir une belle moto et toute sa vie, c'est pas si ça va être qu'il va acheter la 600 cm cube ou la 800 cm cube qui fait en quelques secondes, elle arrive à 120 à l'heure. Et l'autre, elle a un rétroviseur qui se plie, et l'autre, elle a la radio qui truc. Et voilà, c'est ça, sa vie. Et après, quand quelqu'un prend conscience de la vérité, il comprend pas comment il a été un idiot. Il comprend pas. Il se dit, mais comment j'ai pu être un idiot comme ça? C'est tellement évident, mais c'est pas évident du tout. C'est quelqu'un, il entend pas ce son-là du chauffard. Il peut pas prendre conscience de la vérité. C'est tout celui qui s'est rapproché du tzaddik, tout celui qui s'est rapproché d'Hachem, il a entendu le son du chauffard. Maintenant, chacun, il a entendu le son plus ou moins clair. Il y a des gens, ils ont entendu, ils ont donné toute leur vie pour Rabbeinu. Il y a des gens comme Rabbi Nathan, comme Rav Nachman Toutchiner, c'est des gens, ils ont donné toute leur vie pour Rabbeinu. Il n'y avait rien d'autre dans leur vie que le Rebbe. Quand ils ont entendu le Rebbe, ils ont dit, ça y est, on a entendu la voix de son maître, la voix de la vérité. Et il y a d'autres qu'ils ont donné un petit peu. Il y a des gens, ils ont donné 10%, c'est déjà pas mal, hein, 10%. Il y a des gens qui ont donné 20%, il y a beaucoup de sortes d'engagements. Mais chacun, il a sa zone de repli dans laquelle il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner. Rabbeinu, il veut qu'on lui donne son cœur. Si quelqu'un il donne tout le cœur au Rebbe, alors il reçoit, il va entendre ce son-là. Quand tu entends ce son-là, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour faire tshuva ni rien. Il n'y a aucun effort à faire. Parce que ce son de vérité va te donner une telle prise de conscience de la vérité que automatiquement toutes les choses de ce monde elles vont perdre tout leur aspect, tout l'attrait du mensonge va disparaître. Tout l'attrait du mensonge il va disparaître complètement. Tant que quelqu'un il est attiré par le mensonge, ça veut dire qu'il n'a pas entendu cette voix-là. Comme il dit David Ameller, comme Rabbeinu rapporte que David Ameller, il dit à Hachem qui bakesh avdecha, ki mitzvotecha lo shakharti. Il dit, David Ameller, il demande à Hachem, cherche ton serviteur, parce que je n'ai pas oublié tes mitzvot. Sache que, alors Rabbeinu, il amène un exemple, il dit, c'est comme un berger. Un berger, quand il cherche, il y a quelqu'un qui a un micro, un haut-parleur ou un micro qui est allumé, là, s'il peut l'éteindre. Quelqu'un qui a un micro. Voilà, ça a l'air mieux, là. Alors, Rabbeinu, il avait l'exemple qu'il y a un berger, que ce berger-là, il appelle la brebis qui s'est égarée. Maintenant, tant que la brebis, elle connaît le son du berger, la voix du berger, donc elle entend et elle revient vers le troupeau. Et le berger aussi, il continue à l'appeler parce qu'il sait que la brebis, elle va revenir. Mais quand maintenant la brebis, elle ne connaît plus la voix du berger, alors le berger, il crie et la brebis, elle ne bouge pas parce qu'elle n'a pas entendu parce qu'elle ne reconnaît pas la voix. Et dit après, le berger aussi, il continue sa route, il a un troupeau, il ne peut pas attendre la brebis. Alors on voit que ce union-là du berger, c'est-à-dire le nian du tzaddi qui s'appelle le roé, c'est-à-dire le berger. Alors toute cette force-là de la voix du berger d'appeler toutes les âmes du monde, ça se fait à Rosh Hashanah. Comme Rabbeinu il a dit, c'est pas que vous qui avez besoin de mon Rosh Hashanah. Vous savez très bien que vous avez besoin de notre Rosh Hashanah. Oh, nous, ça n'avait pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu, je ne sais pas comment on pourrait vivre, Bichlal. Je ne sais même pas comment on aurait la force d'attaquer une année si on n'avait pas le Rosh Hashanah aux mains du Rebbe. Je ne sais pas comment quelqu'un il peut vivre dans ce monde. S'il n'a pas sur qui s'appuyer comme ça, s'il n'entend pas la tkéa chauffard de aux mains Rosh Hashanah, pas comment quelqu'un il peut vivre. Rabbeinu nous dit, c'est sûr que vous savez que vous dépendez toute votre vie, elle dépend de mon Rosh Hashanah. Mais Rabbeinu l'a dit, le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Il n'y a pas que vous. Le monde entier dépend de Rosh Hashanah, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, il va avoir le son du chauffard. Ce son du chauffard, Baruch Hashem, il a amené du monde. Il a amené du monde. On voit que ce son, il a fait des échos
que ce sont du chauffard en 1988, il y avait peut-être ici 250 personnes. En 1989, il y avait déjà 1 500. En 90, il y avait déjà 5 000. Aujourd'hui, on est à 40 000. Et 40 000, c'est sûr que c'est rien du tout par rapport à ce qu'il devrait y avoir et par rapport à ce qu'il va y avoir. Mais tout ça dépend aussi de beaucoup d'éléments de la diffusion de cette voie-là qui doivent prendre leurs responsabilités et faire ce qu'il y a à faire, chacun là où il est. Normalement, chacun qui est venu à Oman, à Oshana, il doit pouvoir transmettre cette voix de chauffard-là pour que tout le monde puisse l'entendre et que les gens puissent venir profiter aussi de ce son. C'est un son clair, c'est une vérité claire. Elle est simple, elle est claire. Elle a pas de. Le son du chauffard, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand j'étais à la yeshiva, quand je suis arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, alors, bon, j'étais musicien, tout ça. Alors le Rav Besançon il m'a dit, c'est dommage, tu arrêtes la musique, tout ça. Pourquoi tu ne ferais pas de la clarinette? Bon, moi, j'étais, ce qu'on me disait de faire, j'écoutais. Du moins, j'essayais. Alors j'ai acheté une clarinette et j'essayais d'apprendre un peu la clarinette. Alors des fois, il y avait une Akhnasat Sefer Torah à la Yeshiva, et le Rav Chaïkine, Alav Hashalom, il m'a dit, il faut que tu viennes jouer de la clarinette. Alors moi j'étais gêné et tout ça, j'avais très très honte. J'ai dit, comment je vais me mettre moi jouer de la clarinette, accompagner Sefer Torah et tout. J'étais gêné. Alors j'essayais un petit peu de me cacher tout ça. Alors le Rav Chaïkine, il m'a envoyé chercher, il a dit, dites-le à Ephra, s'il ne vient pas, je commence pas les Akhnasat Sefer Torah. Ok, j'étais obligé de descendre et de jouer comme j'ai joué, etc. Alors après, le Rav m'a dit, tu sais, moi aussi, je joue de la clarinette. Je sais jouer de la clarinette. Alors je dis, ah bon, moi, je croyais bon, c'était un peu étonnant de voir Afraïkin jouer de la clarinette. Dis quoi. Alors il m'a dit, tu sais, moi aussi, je joue de la clarinette. Alors je lui dis, ah bon, mon Rav, c'est vrai. Il me dit, oui, moi quand j'étudie la Gemara, c'est clair et net. Il dit, alors moi aussi je joue de la clarinette. C'est-à-dire que il y a une voix qui clarifie la vie. Il y a des c'est une voix de vérité. C'est-à-dire que ça clarifie toute la vie. Toute la vie devient claire. Elle se simplifie. C'est pour ça que cette voix-là, c'est le contraire de la complication. Parce que on dit le son du chauffard, c'est un col pachout, c'est une voix simple. Vous voyez le chauffard, il n'y a pas des notes ni rien. Si vous prenez une clarinette, il y a des dizaines de boutons qu'il faut appuyer. Si vous voulez faire un petit truc, il y a des boutons qui sonnent ensemble, celui-là en bas, celui en haut, les graves, les aigus, les trucs, etc. Si vous prenez une trompette ou prenez n'importe quel instrument, qu'il soit avant ou pas, il y a beaucoup de notes. Mais le chauffard, il n'y a pas des notes. Il y a une seule note, c'est tout. C'est un tube, c'est tout. Il n'y a pas de notes. C'est un son, c'est tout. Parce que c'est un col pachout. C'est une voix simple. Et cette voix-là, c'est une voix d'un autre monde. Donc elle est simple. Elle n'est pas. Elle est pas, c'est pas, on va pas commencer à faire des gammes d'improvisation. C'est un son, c'est tout. C'est le Emet, c'est tout. Kol kol Yaakov, titen Emet Yaakov, bayom haoui takav beshofar gadol. Ce jour-là, il y a un son de shofar très fort qui va sonner. C'est-à-dire pashut, simple. Et cette simplicité-là, elle va redresser toutes les complications du monde. Toutes les têtes tordues, tous les cœurs tordus, tout, elle va les remettre en place. Alors ce qu'il dit ici, c'est ça la crainte du Yom HaDin. C'est-à-dire quand on entend ça, alors ça fait comme c'est écrit pour Yaakov qui s'est levé le matin, il a dit quoi? Il y avait Hachem dans cet endroit et moi je ne savais pas. Il a eu peur, il s'est levé le matin, il a dit comment? Il y avait Hachem dans cet endroit, Vaniloyadati, je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit. Parce qu'il a entendu ce son-là, il s'est dit comment je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là. Maintenant, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment quelqu'un, il réalise comment il a pu vivre sans ça. Comment, quand quelqu'un, il découvre Hachem, il découvre Rabbi Nachman, comment quelqu'un, il a pu vivre sans ça? Comment on peut vivre sans ça? On ne sait pas.
Une fois Rabbi Nathan, il a dit au Rebbe, il a dit à Rebbe que les gens ils soient loin de vous, je comprends. C'est-à-dire une vérité comme ça, que le monde y soit loin d'une vérité comme ça, je comprends. Mais comment moi j'ai eu le mérite de me rapprocher d'une vérité comme ça, ça je comprends pas. Alors Rabbeinu lui a dit, il a dit, il y a rien à comprendre. Ni pourquoi toi tu as trouvé, ni pourquoi les autres ils ont pas trouvé. Il n'y a rien à comprendre du tout. Il y a rien, tu vas rien comprendre du tout. C'est pas la peine d'essayer de comprendre. Avance, c'est tout. Et essaye de diffuser au maximum ces enseignements-là, parce que ces enseignements-là, c'est une voie d'un autre monde. Donc il faut que ne te casse pas la tête à savoir comment ça marche, parce que tu vas pas comprendre comment ça marche. Ça vient d'un autre monde. Ça vient d'un autre monde. Alors ça même, ça fait la différence, si vous voulez, comme il dit ici que le Emet, il peut pas supporter les gens qui sont des mécréants. C'est-à-dire que comme c'est écrit, Ohavé Hashem, Sin Ura, ceux qui aiment Hashem, ils détestent le mal. Parce que quelqu'un qui aime Hashem, quelqu'un qui a trouvé la vérité, il peut pas supporter le mal. Le mensonge, ça lui donne des frissons, ça le dérange énormément. Parce que c'est difficile de supporter tout le mal. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, celui qui vient chez moi, je vais lui enlever le goût des Averot. Même s'il fait des Averot, mais le goût de l'Avera, il va le perdre pour toujours, c'est fini. Pourquoi il va le perdre? Parce que Rabbeinu, il rentre dans la personne une vérité, que cette vérité-là, même si maintenant la personne n'arrive pas à se corriger, parce qu'elle vit encore dans des endroits, spirituellement, elle vit dans des endroits qui sont des endroits qui sont très bas, parce que malheureusement, elle a été conçue, ou elle a été construite, ou elle s'est développée beaucoup dans de mauvaises habitudes. Mais la vérité que Rabbeinu donne, ça enlève le goût du mal complètement. Comme le Rebbe, il a dit, à vous, on ne pourra pas vous tromper, parce que vous avez goûté le vin hongrois. Quand on va vous dire c'est du vin hongrois, vous allez dire non, ça c'est pas le vin hongrois. Pourquoi? Parce que moi j'ai goûté le vin hongrois. Moi je sais ce que c'est le vin hongrois. Ça c'est pas du vin hongrois. Il y a souvent des gens qui me disent, et Raifra, quand on écoute les shiurim de Breslev et tout, après on ne peut plus rien écouter d'autre. Après on n'arrive plus à entendre d'autres choses, parce que c'est une question de voix. C'est-à-dire une fois que vous avez entendu une voix, un son de voix qui est plus proche de la vérité, après vous ne pouvez pas écouter les autres. Vous ne pouvez pas écouter les autres sons de voix. Parce que les autres sons de voix, ça va pas vous parler. Vous avez l'habitude de quelque chose qui vous parle à l'intérieur de vous-même, à votre neshama. Et quand c'est pas la voix de ce chauffard-là, de ce son du chauffard, vous n'allez pas réagir de la même manière. Donc après, ça va plus vous intéresser. Alors la vérité, elle supporte pas les rechaïm. Donc il va y avoir une safa brora, c'est-à-dire une langue claire. Il va y avoir une clarté de la vérité. Le lien de Rabbeinu, il est clair, il est très très clair. Il n'y a pas, chez Rabbeinu, il n'y a pas des choses qui sont ambiguës. Chez Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu dit, c'est clair. C'est limpide, il n'y a aucune ambiguïté. Pourquoi? Parce que c'est une vérité qui n'est pas une vérité de ce monde. Ce n'est pas une vérité qui est passée par la matière. Il y a beaucoup de vérités qui sont des élaborations ou des raffinements de la matière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi dans ce monde, qui se sont posés des questions et qui ont trouvé des réponses. Et que dans ces réponses-là, il y a plus ou moins de vérité. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une vérité dans ce monde qui soit à 100%. Même des fois, 2-3% de vérité, ça suffit pour que quelqu'un il puisse s'engager. Comme c'est écrit dans les bouteilles de jus de fruits, c'est écrit 100% jus de fruits. Mais pour écrire 100% jus de fruits, il suffit qu'il y ait 30% ou quelque chose comme ça de jus de fruits, ça suffit, et c'est pour pouvoir avoir le droit d'écrire 100% de jus de fruits. Mais c'est pas 100% jus de fruits. Et c'est pas 100%. Sinon, la bouteille de jus de fruits, elle coûterait 10 fois plus cher que ce qu'elle coûte. C'est une norme d'un nom qu'on donne à quelque chose. C'est-à-dire, on appelle ça 100%. Mais Bémet, c'est 30% de jus de fruits. Alors, la vérité, c'est pareil. Il y a des gens qui disent, voilà, la Torah, c'est la vérité. Ça veut dire quoi, c'est la vérité? La Torah, c'est la vérité.
Combien il y a de vérité dans la Torah que tu enseignes? Combien de le tzaddik, c'est quelque chose, la Torah qu'il enseigne, elle est claire, il n'y a pas de, il y a aucune ambiguïté, parce que ça ne vient pas des choses de ce monde qui ont besoin d'être triées, qui ont besoin d'être triées, élaborées, etc. C'est une vérité qui vient directement des mondes supérieurs, avant même la création du monde, et cette vérité, elle traverse tout le mensonge, toute l'obscurité du monde. Cette vérité, elle va dans les endroits les plus éloignés, elle répare là-bas tout ce qui est à réparer. Donc c'est un autre son, c'est pas le son qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un son de vérité qui est clair. Alors maintenant, quand on entend ça, ça donne une Safa Broura. Ça même, ça va donner un langage clair. Cette vérité, elle va donner un langage clair. Plus quelqu'un il va être proche du tzaddik, plus son langage il va être clair. C'est-à-dire que quand il va expliquer quelque chose, ça va être clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire les notions, elles sont très très claires. Rabbeinu, il donne des notions qui sont claires, limpides. Alors ça c'est ça la conscience après de la vérité. Alors ça, tout le monde revient vers Hachem une fois que les gens ils ont pris conscience de cette vérité. Alors tout le monde vient vers Hachem. Tout le monde dit, attends, jusqu'à maintenant, je me suis trompé. C'est un moment où je croyais que j'étais dans la vérité. Je vois que je n'étais pas dans la vérité. Quelqu'un parle contre Rosh Hashanah ou des choses comme ça du Rabbeinu. C'est sûr qu'il n'y a pas de vérité dans sa Torah. Parce que s'il y avait même 1% de vérité, jamais pour les parler sur le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Parce que c'est quelque chose qui est tellement évident, tellement clair, que comment quelqu'un il va parler. Au contraire, les mondes entiers devraient faire des cours à partir de Rosh Cheloul. Tous les gens qui ont accès à l'antenne, ils doivent parler que de ça, normalement. De dire à Botaï, allez à Oumana Rosh Hashanah. N'attendez pas, prenez vos billets. Mesdames, laissez vos maris aller, encouragez vos maris à aller, encouragez vos enfants à aller. Faites des économies toute l'année pour qu'ils puissent aller à Rosh Hashanah. Parce que la réparation du monde, elle dépend de ça. Vous voulez prendre part à la réparation du monde. Investissez-vous dans Rosh Hashanah. Vous pouvez pas aller. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour leurs billets. Ils ont pas de quoi payer leurs billets. Participez. Incluez-vous dans cet événement-là. C'est l'événement de l'année. Il y en a pas d'autre. Une fois que cet événement il est passé, la boutique elle ferme jusqu'à l'année prochaine. Après tout le reste c'est que on va déballer la marchandise, c'est tout. Mais c'est fini. L'événement c'est celui-là. Il y en a pas d'autre. Il y a un moment où il y a un son qui descend dans le monde, et ce son-là, il est réparateur, il enlève tout le mensonge qu'il y a dans le monde. Et ce son-là, il s'entend qu'à un moment, c'est à Rosh Hashanah et à Ouman, c'est tout. C'est pas nous qu'on nous dit ça, nous on ne fait que ramener les paroles du Rebbe, c'est tout. C'est pas, on sait rien du tout, on ne sait ni ce que ça veut dire de Rosh Hashanah, ni ce que ça veut dire le shofar. On sait rien du tout, on est des chauffards de la route, on n'est pas des qu'est-ce qu'on sait du chauffard, on sait rien du tout. Seulement, on a confiance dans le Rebbe, on répète ce que le Rebbe nous a dit, c'est tout. Qui a zmevini maefresh chez ben sadik le racha, c'est-à-dire on voit la différence qu'il y a entre un sadik et un racha, parce que du moment où la vérité elle est claire, à ce moment-là ça va faire la différence entre les choses. Tant que maintenant la vérité n'est pas claire, alors quelqu'un, il a tout qui se mélange dans sa tête. Tout est mélangé. Il mélange. Il y a des gens, ils vivent des vies qui sont mélangées avec beaucoup de choses dans leur vie. Beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie. Et les plus grands mélanges qu'il y a, c'est aux États-Unis, c'est-à-dire que ça s'appelle melting pot, ça s'appelle le pot du mélange. C'est-à-dire que c'est des mélanges de combien de populations qui viennent de partout dans le monde et qui se sont mélangées. Alors c'est très très difficile de voir la vérité avec une mentalité comme ça. Et on voit que même leur façon de parler, ils ont une langue qui est pas très articulée. C'est-à-dire qu'ils ont une langue qui est très, elle est tout, c'est tout mélangé les mots. Ils sont pas, il y a, c'est pas tranchant.
Ils n'ont pas des mots qui tranchent, ils n'ont pas une façon de prononcer qui est tranchante. Ils ont une façon de parler qui est très arrondie comme ça, qui est très mélangée. C'est un son très spécial d'une voix. Mais ça, c'est l'expression uniquement de la conscience de la vérité. C'est quand vous prenez un petit enfant qui commence à parler, alors il ne prononce pas bien les mots. Et plus il grandit, et plus il a du da'at, de la conscience, et plus il va trancher les mots, il va les prononcer clairement. Alors là, ça c'est la même chose, c'est des choses qu'on peut voir que par rapport à la vérité, au niveau de la vérité des nations, vous verrez que la langue, elle est plus ou moins tranchante. Et ça, c'est l'éveil de la tchouva qui se fait par le son du shofar. Comme je katouv, aitaka shofar ba'ir ve'am lo yichardu, nimtsa she'alidei kol ha'shofar, shehu b'chinat emet, b'chinat de'alma de'ate. Par le son du shofar, qui est la vérité, qui est le monde futur, aidez na'ase b'chinat safa brura. Ça fait un langage clair. Ve'aidez motzi mikoach el ha'poal. Et ça fait sortir le mikoach et la poal, c'est-à-dire que ça fait que les choses qui étaient en potentiel, maintenant, elles vont pouvoir vivre. Vous prenez par exemple quelqu'un, il a envie de faire du pain, par exemple. Il a du pain, il voit du pain, et il a envie de faire du pain. Maintenant, s'il n'a pas une recette, s'il ne sait pas les quantités et tout ça, il ne peut pas faire du pain. Il faut savoir combien mettre de farine, combien d'eau, de levure, de l'œuf, du sucre, du sel, des choses. Il faut savoir comment faire le pain. Maintenant, la vérité, c'est pareil. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il n'a pas une clarté dans la vérité, alors la vie, comme il la vit, elle s'appelle pas une vie réelle. Ça s'appelle du potentiel de vie. Mais ça, c'est pas une vie réelle. Parce qu'une vie réelle, c'est que quand il y a une prise de conscience de la vérité. Une fois qu'il y a une prise de conscience de la vérité, alors ça s'appelle vivant mamash. Comme Rabbeinu dit dans ses promesses, que le mendiant dit « Aujourd'hui j'ai vécu une vie. J'ai vécu une vie comme j'ai jamais vécu. » C'est-à-dire que le mendiant, quand il a donné à goûter aux gens, il leur a donné à goûter de son pain, alors ils ont pris une conscience de la vérité qui était tellement forte qu'ils ont commencé à vivre. Avant, ils aimaient l'argent, ils couraient derrière l'argent, parce que l'argent, c'est le principe même du potentiel, c'est-à-dire que du potentiel de vie. Les gens qui savent pas ce que c'est la vérité, alors ils courent derrière l'argent. Parce que l'argent, c'est ce qui fait croire que si on l'a, on va vivre. C'est-à-dire que c'est la chose qui est la plus attirante pour des gens qui sont dans le potentiel et qui ne sont pas dans la réalité. Les gens qui sont dans la réalité, ils ne courent pas derrière l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent déjà. Ils n'ont pas besoin de l'argent. Mais l'argent, quand quelqu'un court derrière l'argent, ça veut dire qu'il croit que quand il va avoir l'argent, alors il va arriver. Il croit que tout son problème dans sa vie, c'est parce qu'il lui manque de l'argent, c'est tout. Il dit, voilà, maintenant tu sais pourquoi j'ai ce problème-là ? Tu sais, pour casser le problème, tous mes problèmes, c'est parce que j'ai pas d'argent, c'est tout. Si j'avais de l'argent, j'aurais pas tous ces problèmes. Et c'est la définition même de l'attitude de quelqu'un qui vit dans le potentiel de vie, c'est-à-dire pas dans la réalité. Il vit en vie potentielle. Alors maintenant, ceux qui vivent en vie potentielle, ils sont attirés parce qu'il fait croire que c'est le potentiel de la vie. Et que si on avait ce potentiel de vie, alors on pourrait vivre. Mais c'est pas vrai. C'est le contraire. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose qui est tellement porteur de potentiel que plus on en a, et plus on se sent frustré et on en veut encore. Parce que c'est quelque chose que, une fois qu'on l'a atteint et qu'on voit que ça ne nous a pas satisfait, alors on dit c'est parce qu'il n'y en a pas assez, c'est tout. Il faut un peu plus. Maintenant, quelqu'un, vous lui dites, est-ce que si tu avais maintenant tout de suite 10 millions d'euros, tu serais heureux ? Il dit, mais je fais la fête tout de suite, mais je serai l'homme le plus heureux de la terre, etc. Voilà, tiens, prends 10 millions d'euros. Maintenant, donnez-lui 10 millions d'euros. Et vous allez voir que la personne, ça ne va pas changer grand-chose. Le matin, il va mettre ses chaussettes et tout, ça ne va pas changer. Ce n'est pas ça qui va le rendre un... Il ne va pas devenir une soucoupe volante, le bonhomme. Alors maintenant, quand il a touché ce potentiel-là,
et qu'il a beaucoup de potentiel. Comme on dit que celui qui a de l'argent, alors il croit qu'il peut avoir beaucoup de choses parce qu'il a l'argent. Et alors, il a l'argent. Avec l'argent, il peut acheter beaucoup de choses. Mais avec l'argent, vous ne pouvez pas acheter la vie. La vie, vous ne pouvez pas l'acheter avec l'argent. Parce que l'argent, c'est le contraire de la vie. L'argent, c'est ce qui frustre le plus de la vie. Parce que quand quelqu'un court derrière l'argent, il court vers la virtualité de la vie. Mais pas la vie. La vie, c'est la chose elle-même. Ce n'est pas l'argent. Même si l'argent, ça vous permet d'acheter des pommes de terre. Mais l'argent, ce n'est pas des pommes de terre. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous n'avez pas de quoi manger, même si vous avez des liasses de billets et qu'il n'y a pas où acheter à manger, vous ne pouvez pas manger les billets. Ce n'est pas des pommes de terre, les billets. C'est un potentiel de pommes de terre, c'est un potentiel de ça, c'est un potentiel. Alors celui qui court derrière ça même, c'est la preuve qu'il vit dans le potentiel de la vie. Parce que s'il vivait dans la vraie vie, au lieu d'emmagasiner de l'argent, il achèterait des pommes de terre ou des œufs ou de la viande, c'est tout. Il n'a pas besoin de l'argent, puisqu'il vit déjà. Il a déjà de quoi vivre. Pourquoi il va courir derrière de l'argent? Il vit vraiment. Pourquoi aller chercher du virtuel? Alors ça, c'est pourquoi je vous ramène ça? Parce que dans les sept mendiants, c'est ce que Rabbeinu dit. C'est-à-dire que ces gens-là, qui étaient malades de l'argent, que pour eux, c'était toute la vie, c'était l'argent, quand il leur a donné à goûter de son pain, tout de suite, ils ont été dégoûtés de l'argent. C'est fini. Ils ont dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est ça, l'argent et tout, qu'est-ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait goûter la vraie vie. C'est fini. Ça ne les intéresse plus. L'argent, ça ne les intéresse plus. Pourquoi il va courir derrière du potentiel? Ils préfèrent prendre du cash, du liquide. Du liquide, ça veut dire du manger, des choses qui sont réelles de ce monde. De la vérité pure, claire. Pourquoi il va prendre de l'argent qui est du potentiel? Alors ça, c'est un lien entre les gens qui vivent dans le potentiel de la vie, qui n'ont pas commencé à vivre vraiment, et l'argent qui a un potentiel éventuel de pouvoir vivre. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent plus manger, par exemple, de la viande, ils ne peuvent plus manger du sucre, ils ne peuvent pas prendre du café, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas marcher vite, ils ne peuvent pas nager. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent plus faire. Et pourtant, ils ont l'argent, mais ça ne leur sert à rien pour ça. Parce que cette vie-là, cet argent, il y a des domaines dans lesquels ils peuvent plus se transformer chez eux en vie. C'est-à-dire qu'il ne restera qu'en potentiel, c'est tout. Ils auront emmagasiné du potentiel, et que potentiellement, ils peuvent vivre, mais réellement, ils ne vivent pas. Dans la réalité, ils ne sont pas en train de vivre, parce qu'il leur manque les éléments de vérité pour faire naître la vie. C'est ce que dit que Rabbeinu ici, que quand on trouve la langue claire, le langage clair, alors ça va faire sortir le potentiel de vie dans la réalité. C'est pour ça, voilà, je dis dans le site, c'est les gens qui écoutent. Je dis, quand j'écoute, ma vie, elle change. Ça veut dire que quand vous écoutez les enseignements de Rabbeinu, ça va vous faire sortir le potentiel de vie qui est en vous. Parce qu'avant, vous viviez dans du virtuel, la vie. Vous croyez que vous étiez vivant, mais vous n'étiez pas vivant. Ça ressemble à la vie. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un qui ne connaît pas le tzaddik, quelqu'un qui ne connaît pas Rabbi Nachman, alors il fait semblant d'exister, il fait semblant de vivre, il fait semblant de servir Hachem. Mais il ne sert pas vraiment Hachem. Parce que tant qu'il n'a pas cette vérité claire, ce qui est en potentiel, ça ne peut pas sortir de lui. Pour l'instant, c'est en réserve. Pour l'instant, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur de lui-même. Et lui-même, il n'est pas conscient qu'il a cette force-là. Lui-même, il n'a pas conscience. Rabbeinu nous dit qu'on a la force de lutter contre le Yetzer Hara et de gagner le Yetzer Hara et de réussir tout ce qu'on doit réussir dans notre vie. Mais seulement, on n'en est pas conscient parce qu'on n'a pas une vérité claire. Quand il y a une vérité claire, les choses elles se mettent en route. Elles descendent dans les pieds et les pieds commencent à avancer. Il y a des gens, ils ont des projets dans leur vie. C'est bien un projet, mais de le réaliser, c'est beaucoup mieux. Comme Rabbeinu dit, « Hayom bekolo tishma'u », c'est-à-dire que Mashiach, il va venir, il va dire à chacun, c'est-à-dire, c'est Eliyahu dit le contraire, c'est-à-dire, dit pas, c'est pas ça qu'il dit, je me trompe. C'est-à-dire, Eliyahu dit, Hayom bekolo tishma'u, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à Yohanavi, quand est-ce que Mashiach vient? C'est-à-dire, quand est-ce que Yohanavi, il va venir nous annoncer que Mashiach vient? Alors, il leur a dit, Hayom bekolo tishma'u, aujourd'hui, si vous entendez sa voix.
C'est-à-dire, si vous entendez cette voix, aujourd'hui, Mashiach vient. Aujourd'hui, comme il a dit Rabbi Nathan, mon Mashiach à moi, il est là. Parce que même si Mashiach venait du vivant de Rabbi Nathan, ça n'aurait rien changé à sa vie. Parce que lui, il avait déjà le son du Mashiach. Il savait ce que c'était la voix de Mashiach. Parce qu'il était tellement attaché au Rebbe que le son de la vie, il savait exactement ce que c'était. Il savait ce que c'était. Une fois, Rabbi Nathan, quand il y avait les grandes disputes, les grandes attaques contre Rabbi Nathan, une fois, il y a quelqu'un, quand il était dans une ville, je ne sais pas si c'était chez lui à Breslev où il était, et les gens, ils se moquaient de lui tout le temps, et il faisait des problèmes, ils essayaient de l'emprisonner, ils sont arrivés à le faire emprisonner combien de fois. Il a passé beaucoup de choses, Rabbi Nathan, ils ont essayé de le tuer, ils ont essayé de faire beaucoup de mal. Alors une fois, il était en train de marcher comme ça quelque part, il y a une femme comme ça qui lui a craché dessus, qui pour se moquer de lui et le mépriser, elle lui a craché dessus. Alors il y avait un Breslaver qui était avec lui, il allait réagir, etc. Rabbi Nathan nous dit, reste tranquille, qu'est-ce que tu veux réagir? Il dit, non, mais elle vous fait honte, regardez ce qu'elle fait. Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis 40 ans après la résurrection des morts, déjà. Je suis là-bas déjà, je ne suis pas ici. Tu crois parce qu'elle m'a craché dessus, ça me fait quelque chose? Je ne vis plus ici, je ne suis plus là. La vérité dans laquelle je vis, ce n'est pas celle de maintenant. Donc ces choses-là, ça ne me fait rien du tout, ça ne me dérange pas du tout. Ce n'est pas des choses qui me dérangent. Pour dire à Rabbi Nathan où il était dans sa conscience, comment il vivait. Alors Eliyahu HaNavi dit, voilà, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est-à-dire si vous entendez cette vérité-là, voilà, Mashiach, il est là, tout de suite. Il est là, Mashiach. Mais il faut que tu entendes sa voix, c'est tout, tu vas voir qu'il est là. Mais il faut que tu entendes ce son-là de vérité. Ce son-là, c'est pas quelque chose. Et d'ailleurs, tu peux essayer de l'expliquer à des gens. Si les gens ils n'ont pas l'oreille musicale, comme on dit, de la vérité, ils ne vont pas reconnaître. C'est-à-dire, tu vas leur dire, voilà, mais tu sais, wow, Rabbi Nachman, tout ça. Ils ne comprennent pas, ils comparent avec d'autres choses, etc. Il y a des gens, ils disent, mais est-ce que Breslev, par rapport à ça, et ceux-là, et les autres, et Breslev, ils disent ça, les autres, ils disent ça. Il dit, avance, c'est tout. Avance. Avance. Tu vas voir, avance et tu vas voir plus clair, c'est tout. Avance un peu, rentre un peu plus de vérité dans ton cœur. Et tu vas voir qu'après, tu vas voir plus clair. Parce que la communication va être claire. Les choses, elles vont s'éclaircir. Plus tu vas avancer vers la vérité, et plus il y a des choses qui vont disparaître de ta vie. Parce que cette vérité-là, elle ne peut pas supporter le mensonge. Donc à un moment, ce mensonge il va disparaître de ta vie. Vous voyez, il y a des gens qui vivent par exemple en dehors d'Eretz Israël. Il y a un moment où ils prennent conscience. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais ici? Je peux pas. Ma place elle est en Israël. Je peux plus rester ici. Et voilà, ils partent. C'est tout. Ils ont pas de. C'est une conscience de la vérité, c'est tout. C'est pas, ne croyez pas que c'est des projets qui sont plus ou moins analysés ou montés, etc. C'est qu'une conscience de la vérité, c'est tout. Si quelqu'un est conscient de la vérité, alors il peut avancer énormément. Et si quelqu'un s'annule au tzaddik, alors il peut arriver à une conscience de la vérité qui est au-dessus de toute la vérité qu'un homme peut découvrir. Vous savez, c'est écrit comme ça. Je crois que c'est Rashi qui rapporte dans la paracha que. Oui, c'est Rashi qui rapporte dans la paracha. Rashi rapporte que maintenant, quand les Maasei, Moshe Rabbeinu et Yoshua Benou, ils ont chacun de distribuer au Am Israël deux tribus et demi d'Eretz Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu s'est occupé de deux tribus et deux tribus et la moitié de Ménaché, de la tribu de Ménaché. Et Yoshua aussi, il s'est occupé de deux tribus et la moitié de Ménaché, ça fait cinq tribus. Et après que Yoshua soit décédé, alors il y a eu la continuité, de la distribution de la terre d'Israël entre les sept autres tribus. Alors, quand la Torah elle parle des cinq. Alors Rashi dit pourquoi il parle des cinq. Il dit quand Moshe Rabbeinu il a donné deux et demi
et Yoshua, il a donné 2,5. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui a donné 5. Moshe, il a donné 2,5 et Yoshua, il a donné 2,5. Alors Rashi, il dit non. Il dit que Yoshua, c'était comme le corps de Moshe Rabbeinu. Il dit que Moshe Rabbeinu, il considérait Yoshua comme son corps. Donc quand Moshe Rabbeinu, quand Yoshua, il faisait quelque chose, c'est comme si c'était Moshe Rabbeinu qui l'avait fait, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que la Torah, elle dit, Moshe Rabbeinu, il a distribué 5. Mais ce n'est pas Moshe Rabbeinu, il l'a fait. Non, c'est Yoshua, c'est comme Moshe, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu t'inclus dans le tzaddik, tu deviens toi-même le corps du tzaddik. C'est-à-dire ce que tu fais, c'est comme si lui le faisait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, maintenant, il peut travailler à travers toi. C'est-à-dire que maintenant, plus tu vas t'annuler au tzaddik, et plus le tzaddik il va pouvoir faire des choses à travers toi. Et c'est lui qui les fait, parce que tu deviens comme son corps par rapport à l'âme. Le corps par rapport à l'âme, le corps il ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose. Pourtant, si tu prends toutes les mitzvot, c'est le corps qui les fait, ce n'est pas l'âme qui les fait. Qui est-ce qui fait? Qui est-ce qui peut faire une bracha? C'est l'âme qui fait la bracha, c'est pas le corps. Le corps ne fait pas de bracha. D'ailleurs, que quand on sent du parfum, par exemple, on fait la bracha la première, mais la deuxième, il n'y a pas après. Pourquoi? Parce que le corps, il ne prend rien dans le parfum. C'est la neshama qui prend. Donc, il n'y a pas de bracha après. Parce que le corps, il n'a rien profité. Alors, il ne fait pas de bracha après. Donc, on fait une bracha après. Ça veut dire que le corps, il a profité. Alors on peut croire que c'est le corps. Non, le corps, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a une neshama, il y a un moteur dedans. C'est pour ça qu'il peut tourner. Sinon, le corps, c'est une carrosserie, c'est rien du tout. Si vous enlevez le moteur, le corps, il ne marche pas. Il ne fait rien du tout, le corps. Maintenant, quelqu'un qui arrive à s'annuler au tzaddik, qui est zoché de s'annuler au tzaddik, combien il peut arriver à faire de choses dans ce monde? Il peut faire des choses extraordinaires. Il peut tout le potentiel qu'il a en lui, le tzaddik, il va lui faire sortir. Il va naître, mamash. Il va devenir quelqu'un d'autre, complètement. C'est pas qu'il va devenir quelqu'un d'autre, il va devenir lui-même, c'est tout. Avant, il savait pas qui il était, parce qu'il vivait avec des gens qui faisaient du cinéma. Donc il vivait avec dans la mimique. Alors il voyait des gens, il croyait que la vie c'était la mimique. Ah, on part en vacances, ah ouais, où tu vas en vacances, ah ouais, on va là-bas, truc. Ah ouais, ben moi aussi. Alors t'as déjà pris tes billets, ouais, ouais, j'y vais, truc et tout. Et maintenant c'est plus la même chose. Il dit, ah, tu vas au Mal en Rochana, tu as déjà pris ton billet, ouais. Et le lit là, t'as déjà réservé ton lit cassé là, ton truc là. Ouais, ouais, ça y est, c'est autre chose. Il vit dans une autre vie. C'est une autre vie. Elle est là. Elle utilise le même corps. Mais c'est une autre vie, il y a une autre neshama dedans, il y a une autre vérité. Donc le potentiel qu'il y a, il va sortir complètement. Qu'est-ce qui empêche la personne de sortir du virtuel vers la réalité? C'est la conscience de la vérité, c'est tout. C'est-à-dire que le son qu'il a entendu de la vérité, il n'est pas assez clair encore. S'il était un peu plus clair, la personne, elle s'engagerait beaucoup plus. Il a besoin de raffiner le son. Il a besoin d'entendre le son du chauffard de façon très forte. Voilà, maintenant, il reste encore quelques jours. Bon, Hashem, avant Hoshana, chacun peut prier tous les jours pour demander qu'il ait le srout, qu'il entende les tkiot chauffard, d'abord d'un Yehudi kasher, de quelqu'un qui est un breslever, qu'il entende le son du chauffard à Ouman, et que ce son du chauffard, il le réveille Béhémet, c'est-à-dire qu'il entende une vérité qui va le réveiller, une vérité qui soit claire. Cette clarté-là, elle puisse faire bouger ses pieds. Voilà, il y a des gens, voilà, bon, Hachem, des gens, ils se lèvent la nuit, on est là, on se lève, on essaye de chercher quelque chose, de trouver. Qu'est-ce qui fait que nos pieds, ils se lèvent? Comment on peut sortir de notre lit, etc. C'est uniquement un son de la vérité, c'est tout. Il y a des gens, même pas, ils vont même pas rêver de ça. C'est-à-dire, ils vont dire quoi? Se lever la nuit pour étudier la Torah? Mais pourquoi? Toute la journée, ça ne te suffit pas. Tu n'as pas assez, il faut que la nuit... Et attention, le sommeil, ça demande un équilibre. Mais tout ça, c'est des trucs qui sont... Tout ça, c'est des gens qui vivent dans le virtuel. Ils vivent dans le virtuel. Quelqu'un qui a trouvé la vérité, tu ne vas jamais l'arrêter. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas arrêter des gens qui vivent dans le virtuel. Alors, c'est avec ça que tu vas doser ça. Tu vas doser sa dose de virtualité. Des fois, il y a des gens, ils doivent venir à Ouman et tout, ils ont des difficultés. Mais c'est Rabbeinu dit que ces difficultés, elles viennent pour augmenter l'envie de venir. Parce que des fois, quelqu'un, il a envie de venir, mais l'envie de venir de chacun, c'est pas la même. C'est pas quelque chose qui se mesure. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé encore un scanner qui peut mesurer combien quelqu'un, il a envie de faire la chose qu'il fait. Quelqu'un, il fait quelque chose.
combien il a envie de faire cette chose-là. Et on ne sait pas, on n'a pas un instrument de mesure. Alors des fois, on a des difficultés pour faire quelque chose. Il faut savoir que cette difficulté, elle est là pour nous faire sortir tout le potentiel qu'on a par rapport à la chose qu'on veut réaliser. Comme si on veut développer des muscles et on porte un poids, on prend des poids. Et ces poids-là, en les levant, c'est ça qui va développer les muscles. Ça va sortir, alors que les muscles, ils sont là, mais pour l'instant, ils sont potentiels, ils ne sont pas sortis. Si on veut les faire sortir, alors il faut lever du poids, et lever du poids, et lever du poids. Et chaque poids qu'on lève, le muscle, il se développe. Maintenant, chacun, c'est pareil. Il a en lui un potentiel extraordinaire. Maintenant, ce potentiel-là, il n'est pas encore né. Pour commencer à naître, il faut qu'il ait des épreuves, qu'il affronte des épreuves. Des épreuves où on va essayer de le dissuader, de l'empêcher de faire la chose. On va essayer de toutes sortes, de toute façon de le dissuader. Mais cette force de dissuasion, elle est faite que pour faire sortir ce qui a un potentiel, c'est tout. Et si la personne, elle, à un moment, elle se décourage, ras de chalam, ça veut dire que voilà, son potentiel, il n'est pas arrivé à naître, c'est tout. Pour l'instant, il est encore au niveau de la conception. Il n'est pas encore sorti. Ou il est dans la conception, ou il est encore en train de... Le fœtus, il est en train de grandir. Mais en tout cas, il n'arrive pas à sortir encore. Alors, des fois, la difficulté, la personne, elle n'a pas la force de faire naître cette chose et de dépasser la difficulté. Tout ça, ça vient de la conscience de la vérité, c'est tout. Plus la conscience de la vérité va augmenter, et plus les obstacles, ils vont disparaître complètement. Ils n'existeront même pas, Bichlal. C'est même pas un obstacle. C'est quelque chose où même pas la personne elle va discuter sur ça. Même pas. C'est quelque chose qui n'existe pas dans sa vie de vivre sans Oman Rosh Hashanah ou sans l'Aïd Bodedout ou sans Tikkun HaKlali. Si quelqu'un il a oublié de faire Tikkun HaKlali, même si c'est mis au lit, truc, il va se lever, il va faire son Tikkun HaKlali. C'est pas quelque chose que quelqu'un il va pas vivre une journée, il a pas fait son Tikkun HaKlali. C'est pas quelque chose. Mais ça vient de l'intensité de la vérité, c'est tout. Ça vient pas de la force de la personne. La force de la personne, elle vient de la conscience de la vérité. C'est le contraire. Quelqu'un qui a une conscience de la vérité, il est très très fort. Parce que cette conscience de la vérité, ça lui donne une communication avec tous les éléments de ce monde, de les gérer d'une façon complètement différente. Et ça, c'est le principe de la Nessira. La Nessira, ça veut dire couper, scier. Motamo, c'est scier. La Nessira, c'est scier pour donner juste un petit aperçu de quoi on parle ici. Ça veut dire que maintenant, quand Kadosh Baruch Hu a créé Adam et Chava, il les a créés d'où par Tzoufim, c'est-à-dire il les a créés avec deux visages, un seul individu avec deux visages et deux côtés. Et ensuite, ils étaient collés dos à dos. Et après, il a coupé. Et ils sont revenus face à face. Donc ça, c'est le principe de qu'on dit de Adam et Chava, et c'est le principe de la création du monde. C'est-à-dire que maintenant, ce monde-là, comme dans lequel on vit aujourd'hui, il était en potentiel dans le monde d'en haut, dans les mondes supérieurs. C'était un projet. Donc le projet, il était pour l'instant, c'était qu'un projet. Donc la réalisation du projet, elle était inclue dans le projet lui-même. Pour l'instant, elle ne s'était pas séparée du projet. Quand ce monde-là il a été créé, le projet s'est séparé de sa réalisation. Donc dès que le monde il a été créé, automatiquement, il a fallu faire une recherche de la vérité tout de suite. Parce que du moment où le projet il a commencé, il n'y a pas plus loin du projet que le commencement de l'engagement. Parce que dès que quelqu'un il commence à faire la chose, c'est là où la chose elle va le moins ressembler au projet lui-même. Si vous avez un immeuble, par exemple, vous voyez un immeuble en 3D chez un architecte ou autre, quand on va commencer à construire l'immeuble, vous n'allez pas du tout reconnaître que cet immeuble-là, pour l'instant, c'est ça qu'on est en train de construire. Parce qu'on va commencer à creuser, à faire des fondations, etc. On est loin, loin d'avoir... C'est juste quand on va finir qu'il va y avoir une atama, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rapport qui va être parfait si on a bien suivi le plan.
entre le plan et la réalisation. Donc Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, ça s'avère le jour de la coupure entre le potentiel et la réalité qui se trouvait dans le potentiel et que maintenant qui s'est séparé et qui a pris son envol. C'est-à-dire, ça y est, la vérité a commencé à vivre dans le monde. Mais quand elle a commencé à vivre, elle a vécu par l'envers de la vérité. C'est-à-dire, ça a commencé tout à l'envers, jusqu'à qu'il y a eu le déluge et après, petit à petit, le monde il progresse vers la vérité. Chaque jour, on essaye de se remettre en accord avec le plan. Mais au départ, c'est très difficile. Et des gens qui essayent de faire tchouva, des gens qui essayent de venir à Ouman et tout, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Il y a des gens, comme les Breslevers, ils disent, si maintenant tu disais à quelqu'un, je vais aller faire du commerce à Kiev, là-bas, j'ai trouvé une belle affaire, et on va gagner beaucoup d'argent, Bezat Hashem, tout ça, alors tu dis, tout le monde va t'encourager à aller. Mais tu vas dire, je vais à Ouman en Ushana, les gens te disent, mais tu vas faire là-bas, tu laisses ta famille, mais dis que tu vas faire du business, personne ne va te dire que tu laisses ta famille. Au contraire, ils vont dire, regarde, tu te rends compte, cet homme-là, Bémet, Kolakavod, quel homme extraordinaire, il laisse sa famille et tout pour aller gagner de l'argent et tout. C'est vraiment quelqu'un de très respectable et tout. Qu'est-ce qu'il y a de respectable, laisser sa famille pour aller gagner de l'argent? Pourquoi il y a besoin de laisser sa famille? Hachem peut t'amener ton argent chez toi, c'est le besoin de... Qu'est-ce qu'il y a de respectable? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Tu fais ça, tu as écouté qui quand tu as fait ça? Quand tu écoutes, au moins, tu viens à Oshana, au moins tu écoutes le tzaddik, tu as déjà une protection, tu es déjà protégé par celui qui amène la vérité dans le monde, celui qui fait sortir la vérité du potentiel dans la réalité. Mais avant ça, c'est tout est collé. Zeprinat anesira shematrelet berosh Oshana, sheprinat motzi mikuach ala poal, ki berosh Oshana ou atrala alede kol shofa. Parce que maintenant, quand on va entendre la voix du chauffard, c'est la même chose que la création du monde. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne vivait pas. Pour l'instant, on ne vivait pas. C'est quand quelqu'un, il dort. Maintenant, tu vois, il respire, tout ça. Il est en train de respirer et tout. Mais maintenant, est-ce qu'il est vivant ou il n'est pas vivant? Il est vivant. Mais est-ce que maintenant, il est vivant ou il est mort? On dit non, il est vivant. Alors, s'il est vivant, pourquoi ils font l'euthanasie? Si maintenant ils disent qu'une personne qui pour eux elle est condamnée, alors elle vit pas, alors il faut la tuer, il faut pas la laisser vivante, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle est dans un lit, elle vit avec une machine. Alors maintenant d'après ce jugement là, tous les gens qui sont dans le potentiel de vie doivent pas vivre normalement. Qu'est-ce qui doit vivre? C'est que la personne qui s'est réveillée. Alors maintenant quand quelqu'un il est pas conscient de la vérité, il dort aussi. C'est la même chose. Alors maintenant, il va entendre le son du chauffard, et il va se réveiller, il va entendre une vérité qui va le réveiller. Et à ce moment-là, il va commencer à vivre une vie en fonction de la conscience de la vérité. Et plus il va développer la conscience de la vérité, et plus il va vivre. C'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'il vivait chaque seconde. Chaque seconde, il vivait une nouvelle vie. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a appelé le livre de Rabbeinu. Il appelait Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman, alors que son livre à lui, il appelait Yeme Moharanat, les jours de Rabbi Nathan. Parce qu'il a dit, Rabbeinu, c'était un homme vivant, mamash. Moi, j'ai vécu des jours. Je peux dire que j'ai vécu des jours dans ce monde. Mais le Rebbe, il a vécu chaque seconde de sa vie, parce que chaque seconde, il découvrait une vérité nouvelle. C'est-à-dire une vérité nouvelle, plus profonde. Tout le temps, chaque seconde. Rebbe, il a dit, jamais il a respiré deux fois la même chose. Chaque fois qu'il respirait, il respirait. On ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Ce que je vous dis là, c'est comme si je vous dis un film. On ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Mais comme c'est écrit, alors on le dit. Le Rebbe, quand il respirait, jamais il respirait deux fois la même chose. Chaque fois qu'il respirait, il respirait avec une nouvelle vérité. Ce n'était pas la vérité de la respiration d'avant. Maintenant, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. On ne peut pas imaginer. Elle va que nous respirer une fois dans notre vie, qu'on est asphyxié, on est comme des trucs. Elle va qu'on arrive à progresser dans notre vérité pour laisser nos bêtises, laisser les ch'touillottes où chacun il est attaché à des bêtises de ce monde. Combien de bêtises? Combien de temps de bêtises? Comme le Rebbe l'a dit, avec un Rebbe comme moi, et encore vous continuez à faire des Averot, encore vous faites des Averot avec un Rebbe comme vous n'avez pas honte, encore vous faites des Averot. Allez, ça y est, arrête, lâche tes jouets, lâche tes trucs, ça y est, avance, lâche un petit peu. Alors maintenant, la prise de conscience de la vérité, c'est elle qui va nous faire un éveil.
un éveil. Et il vaut mieux se réveiller ici, parce qu'après, quand on va se réveiller dans l'autre monde, c'est dommage. C'est-à-dire que ça va être difficile. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se réveiller après, qui va se rendre compte de la vérité après, ça va être dommage pour lui. C'est-à-dire que si quelqu'un il les aurait dans ce monde de prendre conscience de la vérité, Ashrelo, Ashrechelko, heureux est-il, chaque pouce de vérité qu'il a pu avancer dans ce monde, heureux est-il, qu'est-ce que ça lui donnera après comme résultat, comme progression exponentielle. Tout ce qu'il a pu progresser, un pas de vérité dans ce monde, un millimètre de vérité. Comment dans les mondes supérieurs, c'est des progrès extraordinaires. Mais ce progrès-là, il dépend de la conscience de la vérité. Dès qu'on prend conscience de la vérité, automatiquement, on avance. Automatiquement on avance, parce que la vérité, elle donne un langage clair, elle clarifie la vie. Quand quelqu'un connaît quelque chose, il va tout de suite vous enlever tout ce que vous n'avez pas besoin. Quand quelqu'un, vous allez travailler par exemple quelque part, vous allez emmener une trousse à outils, d'accord ? Dans votre trousse à outils, vous avez 50 outils. Maintenant, quelqu'un qui connaît le métier exactement, il te dit, regarde, ça, ça, ça et ça, tu n'as pas besoin, tu peux les laisser, tu ne vas pas en avoir besoin. Pourquoi ? Parce que lui, il sait qu'est-ce qu'on va faire là-bas, et il sait ce que tu as besoin là-bas, donc il va t'enlever des choses. La conscience de la vérité, elle clarifie le rapport avec les choses. Ça clarifie, c'est-à-dire automatiquement vous allez laisser tomber des choses et vous allez prendre d'autres choses que vous n'aviez pas avant. Et ça, c'est que la conscience de la vérité qui fait ça. Alors il dit que Rosh Hashanah, c'est le début par le son du chauffard. Du moment où on entend le son du chauffard, ça y est, il y a des choses qui vont naître en nous, ou qui vont renaître, ou qui vont se renouveler, ou qui vont naître, qu'on n'a jamais découvert et qu'on va découvrir maintenant. Shehuprinat Emet. Ça, c'est la vérité dont on a parlé. Al-Kaini Karakol, Shenizgar, Batora, Utrua, Koshkatu, Vium, Trua, Yelachem. Et c'est pour ça que le son du chauffard qui est ramené dans la Torah, c'est la Trua. C'est-à-dire, il y a trois sons de chauffard. Il y a Tkia, Trua et Shvarim. C'est les trois sons qu'on fait. Maintenant, la Torah, elle dit qu'un son. Elle ne parle pas des deux autres. Elle parle que la Troua, c'est tout, que le son de Troua. Comme je katouv yom Troua yelachem, que ça soit un jour de Torah de Troua, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit. Ce jour-là, ça va être le jour de la Troua, du son du chauffard qui s'appelle Troua, qui Troua uprinat Yaakov keadua, parce que la Troua c'est le principe de Yaakov, shuprinat emet, qui est emet, prinat vav, qui est le principe du Vav, que grâce au Vav, on va faire sortir du potentiel à la réalité. Donc pourquoi ça s'appelle le Vav? Pourquoi la Torah, elle mesure Vav sur Vav? Pourquoi la Torah, elle fait si tfachim, c'est-à-dire si largeur de si largeur de points, c'est-à-dire si elle fait 60 cm sur 60 cm, elle faisait la Torah. Pourquoi c'est vav sur vav? Pourquoi c'est vav la Torah? Parce que le emet, c'est un principe de crochet, de communication. C'est-à-dire que le emet, c'est ce qui va vous faire permettre de faire le rapport entre le potentiel et la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est une réalité que par rapport à la vérité qu'il y a dedans. Sinon, ce n'est pas une réalité. Par exemple, vous prenez un étrog, vous allez acheter un étrog pour Soukhot. Cet étrog-là, disons, vous allez le payer 100 € un étrog. 100 €, c'est un bel étrog. Mais un étrog lui-même, ça ne vaut pas 100 €. Un étrog, ça vaut 1 € au maximum. L'étrog, le fruit, l'étrog, ça vaut 1 €. Mais seulement parce que c'est Soukhot, alors il va valoir 100 €. Parce que c'est Soukhot. Mais le lendemain de Soukhot, cet étrog-là, il vaut 1 €, il ne vaut pas 100 €. C'est quelque chose qui est... La valeur de étrog en tant que fruit, c'est 1 €. Maintenant, la valeur de étrog en tant que mitzvah, alors il n'y a pas de limite. Vous allez payer peut-être même 200 €, 300 €. Parce que il prend une autre dimension par rapport à la mitzvah. Maintenant, tout ce qu'on a dans ce monde, c'est pareil. Tous les objets de ce monde, tout ce qui est autour de nous, tous les individus, tous les objets, tout ce qui nous entoure, leur valeur, c'est la valeur de la vérité qui leur est attachée. C'est ça la valeur.
Sinon, quelle valeur ils ont? Ils ont aucune valeur. Tout ce monde entier n'a aucune valeur du tout. Mais sa valeur, quand on rentre de la vérité, alors ça a une autre valeur complètement. Complètement. Toute la vérité que vous rentrerez dans quelque chose, ça va augmenter sa valeur. C'est-à-dire ça va rendre la chose très très élevée. Parce que vous avez rentré de la vérité dans cette chose-là. Mais si la chose, vous n'avez pas rentré de la vérité, elle est dans le prix les plus bas, c'est-à-dire les valeurs les plus basses. Mamache, la valeur la plus basse qu'il y a dans ce monde, qui est la consommation. La consommation, c'est la valeur la plus basse qui est sur terre. Mais quand maintenant vous élevez un peu la consommation, qu'il y a une bénédiction, qu'il y a un remerciement d'Hachem, qu'il y a une mitzvah, quelque chose, alors la chose, elle augmente, sa valeur augmente. Et plus vous mettrez de vérité dans la chose, et plus sa valeur, elle va augmenter. Donc, et c'est ce qui est dit ici, que maintenant, chez Aliado, Motsi Mikoach à la poêle, c'est-à-dire que le émet, c'est lui qui va faire sortir de la chose de son potentiel à la réalité. C'est-à-dire que si vous prenez un diamant, par exemple, qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été taillé, etc. Maintenant, quelqu'un qui voit un diamant comme ça, et vous lui proposez à côté un diamant plastique bien, bien brillant et tout, il peut choisir le diamant plastique parce qu'il va voir que l'autre il est beau, il brille, etc. Alors que l'autre diamant il est plein de boue, tout ça. Il dit quoi, je vais rentrer ça chez moi, je vais me salir et tout. Pas besoin. Voilà, l'autre il est propre, il est impeccable. Et il dit mais celui-là il vaut 10 centimes d'euros. L'autre il vaut 10 000, 100 000 euros. Ça n'a rien à voir. Il dit mais l'autre il est sale, tout ça. Il dit mais parce que tu sais pas ce que c'est tout. Parce que tu l'as pas vu sortir le potentiel qu'il y a dedans. Attends de voir le potentiel, tu vas voir ce que c'est. Attends, tu vas voir ce que c'est. C'est ce que Rabbeinu fait avec nous, c'est chacun d'entre nous. Quand les gens ils disent, mais ouais, ces gens-là, là, tu sais, ils valent rien. Tu dis, attends, tu vas voir ce que le Rebbe va faire de ce Ben Adam-là. Après, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Après, tu vas voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il avait en lui, quel potentiel il avait en lui. Quand cette personne-là, elle va se fondre dans le Rebbe, elle va se soumettre au Rebbe, tu vas voir qu'est-ce qui va sortir de cette personne-là. Tu le vois comme ça parce que c'est normal. Il n'a jamais trouvé un spécialiste en diamant. C'est normal que personne ne lui a donné de la valeur. Parce que les gens, ils achètent que les choses qui brillent. Et bien, ce qui brille, c'est rien que le plastique, c'est tout. Les vrais diamants, ça ne brille pas du tout. On les extrait de la terre, de la boue, etc. Quand Rabbeinu dit, c'est que c'est une plante, quand est-ce qu'elle commence à pousser? Une fois que le grain, il a pourri, on a pris le grain, on l'a mis dans la terre. Il a pourri. Et à ce moment-là, il va commencer à pousser. Et après, vous allez voir, il va sortir un palmier ou un bananier, ou ce qui va sortir, un pommier ou un fruit avec des parfums, avec des couleurs, avec des goûts, avec du jus, avec des formes extraordinaires. Et tout ça, ça vient d'où? C'était dans une graine. Dans cette graine-là, tu dis à quelqu'un, il va y avoir un arbre qui va sortir, quoi. Il dit, cette graine-là, mais c'est impossible. Il dit, attends, tu vas voir. On va la mettre dans la terre, on va l'arroser, tu vas voir. Ah ouais, mais c'est sûr que quand la personne est dans la terre en train de pourrir et tout, c'est dur pour elle, parce qu'elle se dit, attends, mais je suis en train de pourrir complètement, c'est pas... C'est comme les gens disent, tu m'as pourri la vie, ils m'ont pourri la vie, ces gens-là. Il est pourri, parce qu'il croit qu'il va rester pourri comme ça. Mais c'est pas que de ça, il va sortir après un fruit ni flamme et ode. Parce que le tzaddik, lui, il vient, n'importe quel neshama, du moment où tu écoutes le tzaddik, il va faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un de nifla méod, quelqu'un que tu vas être toi-même mamache, tu vas être un chidouche dans le monde. Parce que chacun c'est un chidouche, chacun il est exceptionnel, seulement il n'y a personne qui lui a dit ça. Il n'y a personne qui va lui dire ça, parce qu'il n'y a personne qui a intérêt à lui dire ça. Les gens ils n'ont pas intérêt à lui dire qu'il est exceptionnel. Sinon il va y avoir que des gens exceptionnels dans le monde, ça n'intéresse personne ça. Il préfère avoir des moutons de panurge, c'est ça ce qu'il veut. Mais c'est la chante roue, hein. שהוא לשון שבירה, וכן שברים, שהוא גם כן תרוע, מספק, גם כן לשון שבירה. Alors maintenant, la troua, quel est le son de la troua? Il y a trois sons. Il y a un son continu, tout comme ça. Ça s'appelle tkia. La troua, c'est quand c'est ta, tout, tout, tout. Ça, c'est troua. Et shvarim, ça veut dire casser, c'est tout, 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 tout. Ça, c'est shvarim, d'accord? C'est trois sons. Un son continu, un son saccadé, mais lentement, et un son très saccadé. Mais le vrai son de la Torah, c'est que le son un petit peu saccadé. C'est ça, c'est la seule tkia de la Torah.
C'est-à-dire qu'il dit que la tkia, c'est des sons qui sont cassés. C'est pas un son entier qui est continu. C'est un son alternatif. C'est pas un son qui est continu. Vise la chante trouan, je la chante shvira avec un shvarim. Oga kem trouan misafek. Oga kem la chante shvira. Alors shvira, les shvarim, c'est aussi une troua, mais misafek. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il faut faire alternatif lent ou alternatif rapide. Alors on fait lent et on fait le rapide aussi. On fait deux sons alternatifs. Aïno prinat ritour ou shvira tayadaim. Pourquoi maintenant ça s'appelle le son qui il est qu'est-ce que c'est alternatif? Ça veut dire ça marche, ça s'arrête, ça marche, ça s'arrête. Donc c'est une coupure dans le son. On fait tout. Et quand on entend faire rapidement, ça fait tout bien, tout. Mais quand on fait tout, ça c'est on a coupé. C'est un son qu'on a coupé en tranches, c'est tout. Alors que le son continue, c'est une seule chose. Mais le son entrecoupé, ça veut dire mamash, on a coupé. Alors maintenant, c'est quoi ça? C'est la coupure qu'il y a entre le potentiel et la réalité. C'est-à-dire, c'est ça ce son du chauffard qui est entrecoupé. Ça veut dire que maintenant, à Rosh Hashanah, on va séparer ce qui était en potentiel de ce qui est réel. C'est-à-dire, le réel, il va sortir. Il va y avoir un son de chauffard. Ce son de chauffard, c'est un son de vérité. Ce son de vérité, il va faire naître la personne. Il va la faire sortir de là où elle est. Elle va crier, elle va sortir de là où elle est. Elle va sortir de la prison dans laquelle elle était. Elle va sortir de sa petitesse d'esprit. Elle va sortir de son manque de cœur, son manque d'attention, son manque d'affection. Tout ça, tout, elle va sortir de tout ça. Parce qu'elle va entendre un son de vérité qui va faire naître le bien qui est en elle. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On ouvre. On casse et on coupe entre ce qui est en potentiel et ce qui est en réalité. Que ça, c'est les deux yud qu'on avait vu avant. Vous savez, on avait dit poteach et yudera, poteach et yadera, poteach et yudera. Ouvre tes mains et ouvre tes yud. C'est-à-dire que qu'on avait dit le yud d'en haut, le yud d'en bas, le aleph. Il y a le yud d'en haut, le yud d'en bas. La lettre Aleph, c'est un Yud et un Yud et un Vav au milieu. D'accord? Le Vav, c'est lui qui lie les deux Yud. Le Yud d'en haut, c'est le potentiel. Le Yud d'en bas, c'est la réalité. Et le Vav, c'est la vérité qui permet au Yud d'en haut d'exister en bas. C'est-à-dire, c'est le Vav, comme on a dit, le Vav, c'est le principe du crochet, de la communication, qui fait passer la vérité du potentiel à la réalité. Chez Eprinat, Motsimiko, Relapoel, Alken, Kol, Truant, Kia, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une troua, chaque fois qu'on va faire une troua, c'est-à-dire qu'on va faire ce son-là, tout, à chaque fois qu'on va faire ce son, il va y avoir une tkia avant et une tkia après. La tkia, c'est le son continu. Donc il y aura toujours, quand on va faire ce son légèrement saccadé, il y aura toujours avant un son continu et après un son continu. Et ça, c'est le prinat yud berosh ve yud besof shem koach opal. Et ça, c'est le yud du début et le yud de la fin, qui sont le potentiel et la réalité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé du yud du shem avaya, yud kevavke, et le yud du shem adnut, qu'on dit adnut, à la fin, il y a un yud. Donc, il y a le yud du début du yud kevavke et le yud de la fin de adnut. Donc, adnut, c'est le shem de la malchut, du pouvoir d'Hachem. Et le yud d'avant, c'est le yud kevavke, c'est le Hachem au niveau de la chokhma. Et le yud de Atnout, c'est quand Hachem il s'est révélé et qu'il est mamash le roi. Donc ça, c'est les deux yud, ça s'appelle yud du début et yud de la fin. Donc ça s'appelle le potentiel et la réalité, la réalisation du projet. Kitkea ou kol pashut, parce que la tkia, c'est un son simple, c'est-à-dire c'est un son continu. C'est le yud qui a aucun dessin, c'est-à-dire le yud c'est un point, c'est tout. Les lettres elles ont des formes, prenez un lamed, un kouf, c'est des formes extraordinaires, mais le yud c'est un point, c'est tout, il n'y a pas de... Rak prinat kol pashut, c'est une voix simple. Ve'atroura be'emtsa tkiyot, ki atroura o prinat emet prinat vav. Alors maintenant, la troua, c'est-à-dire ce son-là qui est saccadé, ça c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est le lien
entre le premier yud et le dernier yud. Prinat hashesh otiot sheben shnei yudin shaledam motzi mikoach al hapoal. Comme on avait vu, yud kevavke et adnut, ça en tout, il y a yud kevavke, donc on a revavke, ces trois lettres, et adnut, on a alef dalet nun, ces trois lettres. On avait dit que c'était six, c'était le vav. Donc on a bien yud, vav, yud. On a bien ce dessin-là. Donc le yud qui est avant, c'est le potentiel. Donc c'est un son continu. Les six lettres du milieu, c'est le côté, le saccadé, c'est-à-dire c'est la vérité du milieu qui va faire le lien entre le haut et le bas. Et après la yud d'en bas, que c'est la réalisation mamash. Comme je katouf sham, comme on a écrit là-bas. Aken atroa ou shlosha kolot. Aman atroa, c'est trois sons. Comme shamru, sheur troa, beshalosh yevavot, keten eshalot prinot, shechetzela koar, vetzela poal, shem makom tziur, vezman. Alors maintenant, dans la troa, le shiur de la troa, c'est tout, trois fois. C'est-à-dire, on fait trois fois le son. Ça, c'est la mesure du son de la troa qui est donnée par les chamim, par l'alaha. Alors, shlosh yevavot, keneged shalosh prinot, shechetzel koach, etzel hapoal, shel makom vetziur uzman. Maintenant, dans le koach et le poal, il y a trois principes. C'est-à-dire, dans ce qui est en potentiel, tout ce qui est en réalité, il y a trois principes qui sont un principe d'endroit, un principe de forme et un principe de temps. Il y a l'endroit, la forme et le temps. Shem shalosh otiot shel etzel yud berosh, shem shalosh otiot etzel yud basof. C'est-à-dire que c'est les trois lettres qui se trouvent dans Yud Kei Vav Kei et les trois lettres qui se trouvent dans Adnout. C'est le endroit, forme et temps. C'est ces trois éléments. Veze shenistavku betrua imu shvarim ou imu ma shekorim trua. C'est pour ça qu'ils ont un safek dans la troa, c'est-à-dire ils ont un doute. Ils ne savent pas si le son de la troa, est-ce que c'est un son saccadé par des petites, des peu entrecoupées, ou bien très saccadé comme on fait les shvarim, tout, comme ça, on ne sait pas si c'est tout, ou bien tout, comme ça. Ils ne savent pas, les chachamim. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait les deux. Ou paskula sotchnem, voilà, ils ont dit, donc il faut faire les deux. Qui est acheté par Mib Shalosh Prinotanal. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux, c'est-à-dire que l'endroit, la forme et le temps, ils se trouvent dans les deux. Ils se trouvent bien, aussi bien dans Yud Kei Vav Kei que dans Adnout. D'ailleurs, makom tziur uzman bakoar veren bapoal, ça se trouve dans le potentiel et dans la réalité. Vasafek ou ezemem ikar. Maintenant, qu'est-ce que c'est la profondeur de l'alaha? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire cette alaha? Qu'est-ce que ça change qu'on fait le son comme ça ou comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait comme réparation? C'est-à-dire qu'on ne sait pas si maintenant, ce qu'il faut réparer, c'est dans le potentiel ou c'est dans la réalité. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, il faut s'investir plus dans la prise de conscience de la vérité, ou bien il faut s'investir plus dans l'action. Et l'action, elle va donner la prise de conscience de la vérité. Ou bien non, c'est la prise de conscience de la vérité qui va donner l'action. C'est-à-dire, quel est le principal? Alors ça, ils ne sont pas arrivés à trancher. Qui est Karadaba, Machan, Moutsikim, Metaken, Ftuach, Ayudim, Prinat, Moutsim, Koch, El Apoel, Aikar, Prinat, Shuva, Bichlal ou Bifrat. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? C'est-à-dire tout le but, c'est de faire tshuva. C'est-à-dire tshuva en général et en particulier, c'est-à-dire la tshuva de tout le monde et la tshuva de chacun individuellement. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à la tshuva, c'est-à-dire de revenir vers Hachem. Ça, c'est le but. Qui bichlal tzayir lasot tshuva al tatkin chet adam harishon shepavam baze al yedei cheto esile kashrina mitartonim. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait tshuva par rapport à Adam harishon, que Adam harishon, lui, il a enlevé la shrina de la résidence des mondes inférieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait que maintenant il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fait sortir la présence divine de la vie, il est rentré dans la vie virtuelle, c'est-à-dire il a donné la vie par la compréhension, qui est un virtuel de vie. Au lieu que ce soit une vraie vie, c'est devenu une vie virtuelle. Et ça vient de Adam Harishon, de la faute d'Adam Harishon. Il a entraîné la mort. Qu'est-ce que c'est maintenant la mort? C'est que ce qui est en réalité, ça retourne dans le potentiel.
C'est pour ça qu'on doit chaque année réparer ça. On doit ressortir la chose qui était dans le koar. Il faut le ressortir dans le poal, le ramener dans la réalité. Donc chacun doit faire tshuva dans ce qu'il a abîmé, quand il a fauté. Et avec ça, il va faire sortir du koar et la poal. C'est-à-dire que maintenant le quelle est cette notion-là? C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un, chas v'shalom, il faute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il a pris tout ce qu'il avait en potentiel. Maintenant, ce potentiel, il l'a fait sortir dans la réalité. Mais dans la réalité, ce qu'il a réalisé, c'est faux, c'est pas vrai. Donc il a fauté, c'est-à-dire il a pris ce qui était en potentiel, il a investi dans une réalité qui est faute. Donc maintenant, cette réalité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner dans le potentiel, puisque maintenant, du fait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas la vérité, donc cette chose-là, elle n'a pas lieu d'être, elle n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il a fait un faux investissement. Donc cet investissement, il va retourner à la base. C'est pour ça qu'on dit que les Rechaïm, de leur vivant, ils s'appellent morts. C'est-à-dire les gens qui sont dans le mensonge, même quand ils sont vivants, les Maasé, ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Pourquoi ils sont morts? Parce que leur vie, du moment où ce n'est pas une vraie vie, alors ça ne s'appelle pas de la vie. Donc c'est comme s'ils étaient morts, comme s'ils étaient retournés dans le potentiel. C'est une vie virtuelle, mais ce n'est pas une vraie vie. Donc les gens, ils sont morts. C'est-à-dire tout celui qui vit dans le virtuel s'appelle quelqu'un qui est mort, il n'est pas vivant, parce qu'il n'arrive pas à mamash à vivre dans la réalité. Parce que réalité, ça veut dire que adnout, c'est ça vrai. Réalité, ça veut dire prendre conscience de la royauté d'Hachem, c'est ça qui s'appelle réalité. Donc si quelqu'un ne réalise pas ça, tout ce qu'il a en réalité, ça va retourner dans le potentiel. Donc maintenant, ça c'est la tshuva. La tshuva, ça veut dire que maintenant, tout ce que j'ai ramené au potentiel par le fait que j'ai fait une fausse réalité, cette fausse réalité, ça veut dire utilisation du potentiel dans du négatif, ça c'est retourné dans le potentiel. Maintenant il faut que je le ramène dans la réalité, mais cette fois-ci dans la vérité, pas dans le mensonge. C'est pour ça qu'on dit que la tshuva, c'est que la personne, elle repasse dans les mêmes situations, et cette fois-ci elle répare. Elle faute pas. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il a utilisé son potentiel pour une fausse réalité, maintenant il va l'utiliser pour une vraie réalité. C'est-à-dire il va réaliser vraiment le Emet d'Hachem. Kikara vera alede nefilat chitur hayadaim. Parce que maintenant, pourquoi quelqu'un il faute, chas v'shalom? C'est quand il y a le chitur hayadaim, c'est-à-dire que quand maintenant le fait que la séparation entre le potentiel et la réalité, elle s'est mal faite. C'est-à-dire du fait que la réalité et la réalisation, elle a perdu de vue le plan, alors elle s'est mise à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la personne elle s'est investie dans n'importe quoi. Quelqu'un il vient dans ce monde et il n'a pas un maître. Il n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et les parents, ils l'éduquent comme ils peuvent l'éduquer, c'est-à-dire avec ce qu'ils sont. Les professeurs, ils lui apprennent ce qu'ils peuvent lui apprendre. Et les massés, la personne, elle grandit dans une interprétation de la vie qui n'est pas une vraie interprétation de la vie. Donc la personne, elle a c'est-à-dire ce qu'on lui a dit qui était la vie, les massés, c'est on l'a trompé, c'est pas ça la vie. C'est-à-dire, lui, il croyait que c'était la vie, il s'est investi. Et malheureusement, ce n'est pas ça que s'appelle la vie. Donc, toutes les fautes, elles viennent de ça. Elles viennent du fait qu'on n'a pas trouvé une vie qui est adaptée au yud d'en haut, c'est-à-dire à la vérité. C'est-à-dire, la vie, elle n'est pas adaptée à ça. Notre vie, elle n'était pas adaptée à ça, elle n'est pas adaptée à ça. C'est-à-dire que ça s'appelle fauter. Fauter, ça veut dire que la réalisation, elle ne tient pas compte du plan. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, regarde trois choses et tu ne vas pas fauter. Donc, qu'est-ce que c'est trois choses? C'est ce qu'on a dit. Regarde l'endroit, la forme et le temps et tu ne vas pas fauter. Ces trois éléments-là, fais-les correspondre et tu vas voir que
tu vas jamais fauter si tu fais correspondre ces trois éléments-là. Alken atikun ou alidi tshuva. Pour ça que la réparation, ça fait, c'est par la tshuva. Shuprinat petach harata. Qu'est-ce que c'est la tshuva? C'est-à-dire, c'est une ouverture de regret. Prinat petach. C'est-à-dire, c'est une ouverture pour le regret. Que la personne, elle va regretter ce qu'elle a fait. Prinat ptichat vichituch hayadaim. C'est-à-dire l'ouverture des mains, c'est-à-dire l'ouverture entre les deux youds, entre le potentiel et les réalités. Haynu ki ma'achar shechata upagam bepritut hayadaim. Comme quelqu'un il a fauté, il a abîmé l'ouverture des mains. C'est-à-dire qu'au moment de la réalisation, il s'est lancé dans une réalisation qui ne correspondait pas au plan d'Hachem, au potentiel, à la vérité qu'il avait en lui. Kinaflou l'idée avait à Chaz Shalom. Parce que maintenant, il est tombé Chaz Shalom dans des fautes. Basé ou Machari va au lamp Chaz Shalom. Avec ça, il détruit le monde Chaz Shalom. Kiazai, José, on installait Kapoal et la Kohar Kevatrila. Alors le monde, il retourne dans le potentiel comme il était au début. Ça, c'est ça le déluge. Le déluge, c'est de ramener le monde à sa destruction. C'est-à-dire, quand vous voyez ces gens-là, ces sociétés qui sont soi-disant pour la liberté des gens et qui laissent les gens faire n'importe quoi, et surtout ce qui est faire des choses qui sont interdites par la Torah, comme par exemple l'homosexualité, choses comme ça, qui essayent d'officialiser ça et d'appeler ça de grandeur d'esprit et de ça, ça s'appelle détruire le monde. Parce que si maintenant on ne fait pas ce que Hachem, le plan, la chose, elle va être détruite. Si vous construisez un immeuble et vous suivez pas le plan de l'architecte qui a été autorisé par la mairie, on va détruire la maison. Parce que cette maison-là, elle est dangereuse. S'il y a un courant d'air ou un truc, elle va tomber. Donc si on vous a donné des normes, combien il faut utiliser de béton, comment il faut faire ça, vous devez avoir quelqu'un qui est un maître de travaux, qui vérifie chaque chose, est-ce qu'elle correspond au plan. Et si ça ne correspond pas au plan, il faut corriger. Et si on ne corrige pas, on détruit le monde. Donc ne croyez pas que c'est de la liberté. Il n'y a aucune liberté là-dedans. C'est des gens qui sont poussés par l'apocalypse. C'est des gens apocalyptiques qui veulent détruire le monde. Et les gens qui les encouragent, c'est encore des fous, encore plus que eux. Eux, ils sont malades. Mais les autres, c'est des gens qui encouragent la destruction du monde. Parce qu'au fond, ils sont tellement désespérés de leur vie, parce qu'ils savent que leur vie, elle ne sert à rien, qu'il y a un instinct en eux de destruction de l'humanité. Alors ils poussent, soi-disant, les gens dans des libertés, soi-disant, ouverture d'esprit. Mais quelle ouverture d'esprit? C'est de l'ouverture d'esprit, ça. Je ne sais pas, Hachem, il a amené le déluge pour beaucoup moins que ça. Il a amené le déluge. Mais comme Hachem, il a mis une barrière de protection pour l'instant, que cette barrière de protection, elle est là et elle ne va jamais être enlevée. Au contraire, Hachem, il va amener de la miséricorde sans arrêt. Mais l'écart de la miséricorde, c'est qu'il va faire prendre conscience aux gens de la vérité. C'est ça l'écart de la miséricorde. C'est pas d'entretenir les gens dans leur folie et de leur donner encore plus de moyens pour se tuer, encore plus qu'ils se tuent aujourd'hui. Kinaflou l'idée avec Chaz Shalom, basé au Mechari Vaolam, Chaz Shalom. Il détruit le monde. Qui a zaï José en installé Kapoa et la Koral, parce qu'à ce moment-là, ce qui était dans la réalité, c'est-à-dire la réalité, elle remonte vers le potentiel. Chez Zéprinat Mita, tout ça c'est la mort. Prinat Rechaïm, Bechaïm, Kouim, Métier, voilà, Rabbi Nathan, que le Rechaïm, de leur vivant, il s'appelle mort. Qui Karak Doucha, Chouchiyut, Prinat Ruar Diltata, parce que la Gdoucha, qui s'appelle la vitalité, qui s'appelle le souffle d'en bas, Prinat Poal, qui s'appelle la réalité, la réalisation de la vie, Mistaleket Lemala, Bechosar El Akor, il retourne en haut, c'est-à-dire que le souffle de vie, il peut pas vivre dans un monde qui est à l'envers. On ne peut pas mettre du souffle de vie dans des gens qui ont choisi la mort. Le souffle de vie va dans des gens qui se mettent en rapport avec le plan. Alors à ce moment-là, ils ont un souffle de vie, comme si écrit « Ruach Elokim Rachefet al Pene Amaim », le souffle d'Hachem, il plane au-dessus des eaux. Et c'est maintenant, il plane au-dessus des eaux. Si maintenant, dans le monde qui était de l'eau avant, qui était que de l'eau, alors si le monde se comporte par rapport au plan, alors ce souffle-là qui plane au plus haut-dessus des eaux, il rentre dans le monde. Et si ce souffle, il voit que le monde, il ne cherche pas la vérité, il ne cherche pas à réaliser la vérité, alors ce souffle-là, il remonte vers le haut. Comme Akash Bokhu, c'est écrit dans Bereshit, Vayar Hachem, Aor Kitov. Hachem, il a vu que la lumière, c'était bon,
c'était quelque chose de bien, de bon. Alors Kitov, qu'est-ce qu'il dit Rachid, les gnoses, elle est bien, il faut la cacher pour les tzadikim. Parce qu'il dit, c'est pas tout le monde qui va utiliser cette lumière-là. On va pas donner de la lumière à des gens qui font les fous. Alors cette lumière, il l'a gardée pour les tzadikim. Prinat poel, mistaleket le mala, vechose la koar, ven chiyuto rak mezen et tzotzot shenaflu. Et maintenant, pourquoi les gens, alors comment ils restent vivants? Les gens, s'il n'y a pas, et ils restent vivants, les gens, même s'ils sont pas dans la vérité, parce qu'il y a des éléments, des petites particules de vérité qui sont tombées dans le monde. Et de ces particules de vérité, ça alimente les gens qui sont dans le mensonge. Valken qui se rosse la tzotchouva, ou saïr livnot aoula mechadash, et motsi kouach la poal. Donc quelqu'un, il veut faire tchouva, il doit reconstruire le monde, à nouveau, que le monde, il s'est détruit. Maintenant, il faut le reconstruire. Même si le monde, apparemment, on voit qu'il n'est pas détruit, qu'il n'y a pas le déluge. Mais le déluge, il y avait un côté où dans le déluge, les gens, ils ont réalisé, du moins ceux qui restaient, restaient quelques-uns, ils ont réalisé que ce monde-là, c'est pas quelque chose, on ne peut pas s'amuser, c'est un monde qui, il y a une réalité dans ce monde. Tandis que maintenant, comme il y a dans le monde beaucoup plus de possibilités de se tromper, parce que les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se tromper, et il n'y a rien qui va venir les enlever. Il n'y a personne qui va venir les empêcher de se tromper. Chacun, il va continuer. Alors maintenant, quand quelqu'un il veut faire tchouva, ça veut dire qu'il doit reconstruire le monde. Il doit reconstruire la chose qu'il a détruite. Il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Quelqu'un, s'il veut aider, il veut aider à se reconstruire, il faut qu'il aide le tzaddik à construire son inyan. Tout ce que quelqu'un il peut faire pour que la maison du tzaddik elle se reconstruise, c'est-à-dire le da'at du tzaddik il se reconstruise, que ce soit des livres, que ce soit des enseignements, que ce soit une synagogue, un mikvé, un bet hamidrash. Tout, chacun ce qu'il fait pour le tzaddik, ces choses-là, ça reconstruit le monde. Ça se fait par la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est une porte de regret. C'est une ouverture où la personne, elle regrette. Quand une personne regrette, ça veut dire qu'elle retourne en arrière et elle répare la chose. C'est ça, regretter. Prinat petach, c'est une ouverture. Nimsa chez Rosh Hashanah, chez Uyeme tchouva. Maintenant, Rosh Hashanah, que ce sont les premiers jours des jours de tchouva. Les jours de Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours de tchouva. Zichim leotzi mikoach el ha-poal, al-edea tchouva be'atzma, shu petach harata. C'est-à-dire, maintenant, on va faire sortir du potentiel dans la réalité par le fait qu'on va regretter les bêtises qu'on a faites. Valze meramez kol ha-shofar. Et ça, c'est à ça que fait allusion le son du shofar. Dainu atrua, c'est-à-dire le son saccadé, shuprinat amotzi mikoach el ha-poal, que c'est faire sortir la chose du potentiel à la réalité. Kitrua ou gnuche ganach vilule yalil. Parce que la trua, c'est gnuche ganach, ça veut dire c'est soupirer, yalil, yalil, et faire des lamentations, soupirer, se lamenter. C'est ça le son du shofar qui est saccadé. Ainu prinat harata, shuitrartim ala vera. Ça, c'est le regret qu'on regrette d'avoir fauté. Vegonchim belibam. Et dans son cœur, on soupire. Ou meyalelim yalalot. Et on commence à se lamenter. Al godel abgamim shepagam. Kolechad kefima sheyoda benafsho. Sur tellement des choses qu'il a fauté. Chacun, comment il sait en lui-même combien il a fauté. Mashiasa kolashana. Chacun, il sait très bien qu'est-ce qu'il a fait de son année. Qu'est-ce qu'il a fait toute cette année? Et il commence à soupirer, il commence à se lamenter sur les bêtises qu'il a faites. Et quand quelqu'un maintenant il regrette, alors il fait sortir du koach el ha-poal. Donc c'est extraordinaire. Maintenant, quand Hachem il a donné cette possibilité, tachouv hé, il peut ramener le hé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant il y avait un plan. Ce plan-là, il a été fait pour être réalisé. Maintenant, Hachem, il a donné tous les moyens à la personne pour réaliser ce plan. Maintenant, au lieu de rester assis, ce plan, il a fait des bêtises, d'accord? Il a fait des bêtises, donc il a cassé le potentiel. Et il, quand il est sorti en réalité, il a cassé le principe du plan. Donc, cette réalité, c'est pas une réalité. Elle est retournée dans le potentiel. Maintenant, par le fait qu'il regrette d'avoir fait ça, il ramène la réalité dans son contexte, il ramène la vie à sa place, il ramène les éléments à sa place.
Venistavku imatoura ou ginuche, danushvarim. Maintenant, le safek qu'ils ont les chachamim, c'est est-ce que la troua, c'est le se sont saccadés, est-ce que c'est un soupir, c'est-à-dire que c'est des soupirs, danushvarim, c'est prinat, levnishba. Est-ce que maintenant, c'est levnishba, c'est-à-dire que maman, j'étais tout, comme ça, le cœur brisé. Venitke, comme Michigoner Milibo, comme quelqu'un qui soupire avec son cœur. Et ça, c'est par rapport aux trois principes qu'il y a dans le Koar, c'est-à-dire dans le potentiel. Il y a trois principes dont on a parlé, qui sont l'endroit, la forme et le temps. Dainu Prinat Makom Vetsiur Vezman Chejishba Koar. C'est-à-dire les trois lettres qu'il y a dans le Shem Havaya au début, c'est-à-dire le He, Vav, He. Haïnou, Shelistapku, Imikar, Atshuva, Letakem, Gama, Marshava, Shepagam, Marshava, Bamor, Amit, Pachetet, Balev, Nitsayat, Beshlosha, Prinod, Makom, Tsiou, Vizman. Est-ce que maintenant il faut réparer la pensée? Que la pensée, c'est le monde du potentiel? Est-ce que c'est là-bas qu'il y a eu un problème? C'est dans la pensée? Et que la pensée après, qui était pas bonne, ça s'est dirigé vers le cœur et ça donnait une action négative. Après, ça s'est dessiné dans un endroit, une forme et un temps qui était pas bon. Et imikar atshuva tzrichim letaken zot. Ou est-ce que maintenant c'est ça qu'il faut réparer, c'est-à-dire dans la pensée? Parce que le ikar, c'est de ne pas se laisser de se dessiner la avera dans l'esprit, chas v'shalom. Comme la Gemara, elle dit que les pensées de avera, elles sont pires que la avera. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un plan de faire une avera, c'est pire que celui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que celui qui l'a fait, ça vient du plan. C'est pas l'action, elle vient d'un plan. Alors il y a une déa comme ça. La Gemara, elle dit que eroué avera, kashim et avera. Les chachamim disent que c'est plus dur de faire un plan, de vouloir faire une avera, que de la faire elle-même. Parce que si quelqu'un il fait le plan, automatiquement après, ça va, chas v'shalom, il va le faire après. Parce que si quelqu'un il ne laissait pas l'avéra se dessiner dans son cerveau, dans sa pensée, jamais il ferait une avéra. L'avéra, elle passe, il faut toujours qu'elle passe par une pensée. C'est possible que tout le inyan de la tshuva, c'est de réparer la pensée. Et uniquement ça. J'ai prinat shvarim, prinat lev nishbar venitke. Ça, c'est les shvarim, c'est-à-dire le cœur brisé. Prinat genuche ganach, c'est-à-dire qui soupire. Dainu anachat ou gnichat alev, c'est-à-dire les soupirs et les lamentations du cœur. Ki me'achar sheikar abgam v'machshava shebalev, parce que le ikar de maintenant, c'était des pensées qu'il y avait dans le cœur. Alken atshuva l'edelev nishbar. Donc la tshuva, c'est possible que ce soit par un cœur brisé. Dainu genuche v'anacha shegoneach u'mitcharet belibo, c'est-à-dire que maintenant il soupire et il se lamente, il regrette dans son cœur sur les mauvaises pensées qu'il a eues. Ou bien non, im nomar sheikar atshuva al pgam ha'ma'ase. Si on dit que le tshuva, non, le principal c'est l'action sur quoi il faut faire tshuva. Kafa piker ikar avera ukshevah lidei ma'ase chas v'shalom. La avera, c'est quand quelqu'un il a fait la avera chas v'shalom. C'est quand quelqu'un il a pensé, on peut dire qu'il a fait quelque chose, il a pensé faire, il a rien fait. Quelqu'un il a pensé voler, mais il n'a pas volé. On ne va pas le mettre en prison. Il n'a pas volé. Si maintenant il fait, alors oui. Mais c'est prinat roua. Ça c'est la troua, prinat roua, de chevet barzel. Ça c'est le teshuim bet barzel. Shteich la sot tshuva gdola, le chalot ushaber kol haklipot shenasu al yedei aver shalom. Il faut maintenant détruire toutes les clipotes, toutes les choses négatives qui sont nettes, qui sont nées de sa mauvaise action. Alken kishba avera l'idée maaseh chas v'shalom. Tzichim kol yelala sheyoter migenuche. C'est pour ça que si maintenant chas v'shalom on a fait l'action, alors il faut encore une voix de plainte qui est plus forte que lamentation. Ki gnuche urak balev, parce que les lamentations, les soupirs, c'est uniquement dans le cœur. Aval yelala ou kol tzaka veyelala. Mais la yelala, lamentation avec une voix forte, il faut crier avec une voix amère. Combien de voix qui sont comme ça collées les unes aux autres, ta, il faut des voix comme ça de amères, très fortes, comme on te voit
Quand on mâche le son de la Troua, Al-Kodel Abgam Shehassa Bemaseh Chas V'Shalom. Parce qu'il a tellement fauté dans la pensée que Chas V'Shalom, il en est arrivé à agir, à faire le mal. Ça, c'est mâche quand l'action, elle devient négative. Alors là, il doit crier encore beaucoup plus vers Hachem. Kedesh Al-Yedé Seitaken Abgamim, Al-Yedé Godel Shuvato, Veit Kayembo. Et comme ça, il va réparer les fautes qu'il a faites par sa tchouva. Et maintenant, ça va se réaliser en lui. Teroem Beshevet Barzel, Kekli Yotzer Tenapsem. C'est-à-dire que maintenant, il va casser toutes les clipotes et toutes les accusateurs qu'il a créés par le fait qu'il a fauté. Zeprina Troua Shehu Yelul Yalil. Ça s'appelle la Troua. Que cette roue là, ça s'appelle le Nian, que maintenant il dit des voix amères. Shoyoter Megnouche. C'est plus fort que quand il va faire stam des lamentations, mais qui sont sur la pensée, sur le projet. Quand il a fait un projet de fauter, alors c'est pas la même chose que quand Chas V'Shalom il a fait mamash. Shehu Tshuva Al Pgam Ha'Maaseh Shehu Shalosh Kolot Kenegel Shalosh Prinot Hanal Shehem Prinat Makom Vetziur Vezman Shesh Etzel Yud Vebasof Beprinat Poel. Donc ça, c'est les trois voix qui sont dans les trois lettres qu'il y a dans le Shem Adnout, à part le Yud. Vechen Hashvarim Vugam Ken Shlosha Kolot Kenegel Shlosha Prinot Shesh Etzel Yud Berosh Prinat Koach. Maintenant, ces deux-là, ça donne 6 en tout. Ce sont les 6 lettres du Shem Havaya, du Shem Adnout, qu'avec ça, on va sortir les choses qui étaient en potentiel dans la réalité. Donc, dans le doute, les Chachamim, ils ont dit qu'il faut faire les deux. Et aussi chacun seul. Il faut les deux ensemble et aussi chacun seul. Parce qu'il faut tout réparer. Il faut réparer en même temps le problème de la pensée, la faute dans la pensée et la faute dans l'action aussi. C'est-à-dire quand il fait une avéra intentionnellement, avec ça, il abîme et la pensée et l'action. Parce qu'il est en train de faire intentionnellement, ça veut dire qu'il a sa pensée et il fait l'action avec sa pensée. Donc il a l'intention de faire ça, donc ça fait qu'il a abîmé les deux, et la pensée et l'action. C'est pour ça qu'on fait tous ces sons-là ensemble. Chez Kolel Shnem, qui inclut les deux, Marshava ou Maase, ou les familles de Marshava Levad, Venu se Avera Bepoel. Et des fois, quelqu'un, il a été pogam que dans la Marshava. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la faute, Mamash. Par rapport à ça, alors on fait tkiya shvarim tkiya, c'est-à-dire on fait des que les on fait une tkiya au début à la fin, c'est-à-dire un son continu, mais au milieu on fait les sons saccadés. Ça c'est que quand il que dans la pensée ou les familles miyeshma ase blu marshava. Des fois quelqu'un il fait une action mais il a pas pensé la fin, il est shogeg. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas pensé, il a l'habitude de faire ça, mais il n'y a pas une intention de faire du mal. Mais comme il a des mauvaises habitudes, alors ça, c'est presque automatique chez lui. Alors maintenant, ça, il va faire tkia, troua et tkia, c'est-à-dire il va faire le son seul, mais le son qui est saccadé, mais lentement saccadé, pas beaucoup. Mais kol tikkun uprinat motzi mikoach el hapoel, maintenant tout le tikkun de ça, c'est de faire sortir les choses du potentiel à la réalité. Parce que quand quelqu'un est faute, alors il ramène la réalité dans le potentiel. Et donc maintenant il faut rouvrir les choses par la tshuva. Même quand quelqu'un il a fauté dans la pensée, aussi il faut qu'il ramène la pensée positive. Parce que dans la marshava elle-même, il y a du koach poal. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit dans l'écoute morale que quand quelqu'un, Chas V'Shalom, il a fait des avérantes dans sa vie, alors maintenant, lui, rien que sa pensée, ça fait des choses. Même s'il ne les fait pas avec les mains. Parce qu'il a tellement fait de bêtises que sa pensée, elle est déjà liée complètement à l'action. C'est pas comme quelqu'un qui a un projet comme ça, vague, oui, pense, peut-être. Mais quelqu'un qui a fait beaucoup d'avérantes, à peine il pense, c'est comme s'il fait maman.
dommage. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit de faire très attention aux mauvaises pensées, parce qu'il y a des, il dit que les mauvaises pensées, ça crée des constructions, mamash, que avec la pensée. Parce que c'est ce qu'il dit ici, que dans la pensée elle-même, il y a aussi un principe de potentiel, de réalité. C'est pour ça qu'il y a des avérotes de pensée, par exemple, la convoitise, c'est interdit. Parce que la convoitise, c'est une action. C'est-à-dire que cette pensée, elle peut amener à prendre la chose de l'autre, à Zvechalam, que par la pensée. C'est-à-dire qu'il y a le début de la pensée, quand la pensée elle est floue, elle est vague. Et quand il y a la pensée, elle est déjà dans un endroit, elle est dessinée et elle a un temps aussi, quand il y a un plan déjà. Et pour ça, toujours, on va faire une kia au début. Et une kia à la fin, et au début, on va faire au milieu une troua, ou bien des shvarim. Donc ça, c'est le principe donc du yud du début et de la fin. Bezrat Hashem, donc on continuera la semaine prochaine. Bezrat Hashem, on est dans page 406, on va commencer la semaine prochaine, le jeudi, le passage d'Alet, Bezrat Hashem. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de passer un bon Shabbat dans la Tshuva, dans la Simcha, Bezrat Hashem, que chacun se prépare pour Rosh Hashanah, pour venir à Ouman, Beikar.